Dans quelques heures, Mars ne pourra plus vivre caché sous sa surface. 5, 4, 3, 2, 0. Liftoff of the Atlas V. At NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars. Enfin, on va dévoiler l'intérieur de la planète. C'est une nouvelle façon de voir Mars. La mission InSight est une mission un petit peu à part dans l'exploration de Mars. On va essayer d'ouvrir le capot et de voir pourquoi le moteur s'est arrêté de fonctionner il y a 4 milliards d'années. Comment on installe cet instrument sur l'atterrisseur InSight? Il faut être tenace. Si vous n'arrivez pas à embarquer votre instrument, il ne faut pas abandonner. Avec le temps, on y arrive. Après 7 ans de travail acharné, tout va se jouer en 7 minutes de descente. Pour un sismologue, c'est maintenant que le travail va commencer. Écouter battre le cœur de Mars, ou plus précisément, déterminer s'il bat encore. Dans deux heures, un peu plus de deux heures maintenant, et pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, la NASA va déposer sur la planète rouge une sonde spatiale automatique, à bord de laquelle un sismomètre de l'extrême, car c'est comme ça qu'on peut le qualifier, français, conçu et fabriqué en France, a embarqué il y a un peu plus de 7 mois. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie, bienvenue dans ce temple du partage de la culture et de la science. Je suis Gilles Davidovitch, je suis géographe et spécialiste des surfaces planétaires, secrétaire général de la Société astronomique de France. Et voilà de longs mois que l'on travaille avec les équipes du CNES, du CNRS, de la Cité des sciences, de SODERN et de l'IPGP, évidemment, à cet événement exceptionnel. Donc, nous avons réuni tout un ensemble d'experts pour vivre ensemble cet événement exceptionnel, comme je le disais, parce que c'est quand même pas fréquent que l'on atterrit sur la planète rouge, encore moins fréquent que les Français se trouvent à bord. Alors d'abord, on a notre envoyé spécial, Frédéric Castel, journaliste scientifique, qui plusieurs fois dans les 2 heures et demie qui vont suivre, eh bien... nous appellera en direct de Pasadena, à côté, à quelques mètres seulement de la salle de contrôle. Et autour de lui, un certain nombre de spécialistes, la plupart sont français, tous impliqués au cœur de cette mission incroyable, tous des ingénieurs, des scientifiques, des planétologues, qui consacrent leur vie professionnelle et aussi beaucoup de leur vie personnelle pour faire avancer la connaissance, pour faire reculer les frontières. Nous aurons d'abord Bruce Bannert, qui est le patron au JPL de cette mission incroyable. Il va nous consacrer quelques minutes de son temps. Donc on fera, Francis et moi, la traduction en direct de ses commentaires, de ses impressions. Et puis des spécialistes de l'Institut de physique du Globe de Paris, du CNES, du laboratoire de météodynamique, du CNRS, vous verrez toutes ces personnes-là. Et Christophe Sautin, qui est au JPL depuis maintenant 8 ans et qui travaille en planétologie beaucoup sur Cassini. Et alors oui, on a des Français qui vivent au JPL, voilà. C'est pas mal aussi. JPL, donc Christophe conclura cette soirée, effectivement. Et puis à Paris, oups, je vais trop vite. À Paris, nous avons aussi des invités. Alors, Guillaume est un peu flouté, mais il sera bien là. Des spécialistes également à bord de la sonde, à bord de la mission, qui depuis des années, littéralement des années, consacrent parfois jour et nuit, ont consacré jour et nuit. C'est peut-être un peu plus léger maintenant. Maintenant, ils sont soulagés, mais dans quelques heures, ils vont vivre les 7 minutes de terreur avec nous. Voilà, des gens, là encore, qui sont très impliqués au cœur de cette mission spatiale. J'aurai le privilège également d'interviewer le directeur de l'IPGP, Marc Chaussidon, le président
du Centre national d'études spatiales, Jean-Yves Le Gall, notre agence nationale, le président-directeur général du CNRS, et puis le président-directeur général de Soderne, l'industriel, qui a fabriqué l'élément majeur dont on reparlera tout à l'heure, le sismomètre SEIS, qui est une pure merveille. Nous sommes en direct, il ne faut pas oublier la twittosphère, il ne faut pas oublier l'Internet, il y a un streaming live en direct, peut-être des centaines de milliers, il est arrivé que nous battions ici même des records avec 1 million de YouTubeurs en air, donc on est enregistré, mais la twittosphère peut tweeter, on salue évidemment cette génération qui suit la science, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer malheureusement ici aujourd'hui. Mon complice, l'astrophysicien le plus connu en France, Francis Rocard, le patron de l'exploration spatiale et planétaire au Centre national d'études spatiales. Bah, tout le monde connaît Francis Rocard, voilà, mon complice depuis très longtemps sur ses grandes premières. Souvenez-vous, hein, nous avons ici même atterri sur Huygens, sur Titan avec la sonde Huygens et sur la comète Churyumov-Gerasimenko avec Philae notamment. Oui. Mais on a vécu. L'important, c'est qu'effectivement, je suis Philippe Lognonnet et son sismomètre depuis que je suis au CNES. Et on va atteindre les 3 décennies bientôt. Voilà. Donc c'est quand même une très longue histoire que je raconterai tout à l'heure d'ailleurs. Évidemment. Donc ce qu'il faut retenir d'ores et déjà, c'est qu'avant toute chose, c'est une aventure humaine. L'exploration spatiale, l'exploration planétaire, ce sont des femmes et des hommes. Et on va insister ce soir sur ces personnes qui sont des passionnés, des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques qui donnent énormément de leur temps. Et vous allez voir un peu ce qu'ils ont à nous dire, puisqu'on va les faire témoigner. Voilà, mais avant tout, je vais laisser la parole à Bruno Macquart, le président d'Univers Science, qui nous accueille à nouveau. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Cher Bruno, merci beaucoup. Bonjour. Madame l'ambassadrice des États-Unis en France, monsieur le conseiller du président de la République, monsieur le président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, monsieur le président du CNES, monsieur le président du CNRS, monsieur le directeur général de l'Agence spatiale européenne, monsieur le directeur de l'IPGP, monsieur le président de la SAF, monsieur le général commandant du commandement interarmé de l'espace, monsieur le président du Muséum national d'histoire naturelle, monsieur le président de l'IFREMER, monsieur le président de Sorbonne Université, madame la représentante du président de l'Observatoire de Paris, monsieur le président directeur général de la Soderne, mesdames, messieurs, chers amis. Je suis heureux de vous accueillir ce soir à la Cité des sciences et de l'industrie pour un événement important que nous allons vivre avec toutes les joies, j'allais dire aussi les angoisses, du direct. C'est l'espace qui nous réunit encore une fois si nombreux et plus précisément, bien sûr, la planète Mars. Alors la mission de la NASA, intitulée InSight, consiste, je n'apprends rien à personne, en une sonde partie le 5 mai dernier de la base de Vandenberg en Californie, qui doit se poser sur Mars ce 26 novembre 2018. Alors une arrivée sur la planète Mars est toujours un événement, et nous allons le vivre ensemble ce soir. Un événement pour partie français, car la mission de la NASA, comme cela vient d'être dit, emporte avec elle un instrument conçu et fabriqué par des équipes françaises. Le SEIS, qui est là, il s'agit lui d'un sismomètre. Il écoutera battre le cœur de Mars à travers les tremblements de la planète et les chutes de météorites. L'objectif scientifique qui va vous être détaillé plus longuement est de comprendre la structure interne de Mars et de reconstituer son évolution. De passer, ce n'est pas de moi, je le cite, je crois que c'est de vous, cher Francis, de passer d'une connaissance en 2D à une connaissance en 3D. Projet du CNES, SEIS a été développé par l'Institut de physique du globe de Paris sous l'impulsion du responsable scientifique Philippe Lognonnet et de son équipe. Nous devons sa fabrication à la société Soderne, filiale d'Ariane Group. Le centre de contrôle des opérations de SEIS, baptisé le SISMOC, est installé au CNES à Toulouse. Alors j'ajouterai qu'Univers Science n'est pas totalement étranger à cette aventure. C'est Denis Savoie, spécialiste de gnomonique et ancien directeur de la médiation scientifique et l'éducation de cette maison, qui est responsable scientifique du cadran solaire embarqué,
nécessaire pour déterminer le nord martien, puisque Mars n'a pas de champ magnétique, un nord qui est indispensable à l'exploitation des données. Alors la soirée va consister en la présentation des enjeux de la mission avec les meilleurs spécialistes à Paris sur ce plateau et avec notre envoyé spécial en Californie, Frédéric Castel. Elle est pilotée par Francis Rocard, qu'on ne présente plus, et Gilles Davidovitch de la SAF, que je remercie chaleureusement une fois encore de nous prêter leur généreux concours. J'exprime ma gratitude à nos partenaires pour l'événement, le CNES, l'IPGP, le CNRS, la SODERN, la SAF et l'Observatoire de Paris. À toutes et à tous, je souhaite une merveilleuse soirée. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors Francis, c'est à toi maintenant de nous expliquer en détail l'ensemble des enjeux de cette mission InSight. Oui. Alors d'abord, vous voyez qu'il y a une pendule. Vous l'avez ici, c'est la même. Et vous avez l'heure sur le site d'atterrissage d'InSight. Donc il est à peu près midi actuellement sur InSight. Évidemment, on ne se pose pas en fin de journée. On va se poser dans 2 heures, c'est-à-dire environ à 14 heures. Parce qu'il faut le temps de déployer les panneaux solaires et d'avoir de l'énergie pour travailler avant que la première nuit n'arrive. Tout ça est calculé quand même. Les enjeux, j'en citerai 5, évidemment scientifiques, mais aussi programmatiques, technologiques, managériales, ça a été un projet complexe, et puis je rajouterai de crédibilité pour le CNES dans la coopération avec le Jet Propulsion Laboratory, qui est quand même le grand laboratoire en planétologie, le plus grand au monde, certainement. Vous allez comprendre pourquoi. Les enjeux scientifiques, ça, Philippe Lonnier va les détailler, mais aujourd'hui, et comme l'a bien dit Philippe, et j'ai repris sa phrase, on connaît l'intérieur de Mars comme on connaissait l'intérieur de la Terre il y a un siècle. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, connaître la structure interne, croûte, manteau, noyau, c'est avoir un bilan global de cette planète. Et si on mesure sa composition en surface et qu'on a l'intérieur, on a une composition en volume. Et à partir d'un matériau dont on pense qu'il est le même pour la Terre, Mars et Vénus, comment se fait-il que Mars est devenu un désert glacé, la Terre est vivable et Vénus un enfer extrêmement chaud. Donc c'est toujours formation et évolution qui est derrière cette problématique. Et la géophysique aujourd'hui, c'est le chaînon manquant de ce qu'on a fait sur Mars. Je crois que l'année prochaine, on va lancer la 50e mission vers Mars. Et j'inclus beaucoup d'échecs, malheureusement, au début. Il y a eu des échecs. Mais en géophysique, on n'a jamais lancé une mission de ce type actuellement, après des missions bien connues comme Mars Express, MSL, et j'en passe. L'histoire est ancienne. Alors, comme je l'écris là, nous avions la cerise, CI, c'est-à-dire ce sismomètre. On avait ce sismo, et il nous manquait le gâteau. Ça, c'est toujours ce que j'ai dit à Philippe. Je lui ai dit, c'est pas si simple d'envoyer ton sismo, parce qu'il nous faut un atterrisseur. Il nous faut un gentil partenaire qui va nous envoyer le sismomètre sur Mars. Et la première tentative, c'est Barbara Marinovitch ? Non. Romanovitch, excusez-moi, je crois qu'elle est dans la salle. Est-elle dans la salle ? Bon, elle sera peut-être dans la salle. C'est en 87, elle, et non pas Philippe Lonnier, qui a proposé Optimisme, le mal nommé. Ce premier sismomètre que vous avez en bas à gauche, là, et on a vécu 9 ans même, de développement. Et comme vous le savez, on a eu un problème avec cette mission russe, puisque le Proton n'a pas bien fonctionné, et Mars 96 s'est terminé quelque part entre le Pérou et le Pacifique. On ne sait pas très bien où il est. Mais Philippe Lognonnet, qui avait repris les rênes de cette affaire, c'était à bord de petites stations, vous les voyez ici, lui est persévérant. Et il est persévérant et il a persévéré avec son acolyte Bruce Bannert, qui est donc le PI d'InSight. Et tous les deux, vaille que vaille, tant sur Mars que sur la Lune, ils ont tenté 16 fois. C'est quand même, je crois, un record dans le domaine. Et le but, c'était toujours le même, c'était de mettre un sismomètre sur Mars, voire sur la Lune. Le premier, c'était sur Viking, mais il n'a pas fonctionné. On a mesuré que du vent et l'autre ne fonctionnait pas du tout. Un point important, c'est que InSight, on va le détailler pendant cette soirée, c'est la meilleure configuration. Je peux vous dire que je peux la comparer à tout ce qu'on a vécu auparavant. On est dans le meilleur scénario possible pour poser un sismomètre sur le sol, pour le protéger des variations thermiques. Donc finalement, il a fallu être patient, mais on a quand même un cadre qui est idéal pour cette mission. Alors, enjeu technologique, un sismomètre, c'est des technologies pas classiques dans le spatial du tout. D'ailleurs, pendant longtemps,
En gros, quand Philippe Lognonnet nous envoyait des demandes, personne n'y comprenait rien. Il utilisait des mots qu'on ne connaissait pas. Et donc, s'approprier les technologies d'un VBB, ça a été quelque chose qui a pris du temps. Et on a fait pas loin de 20 ans de R&T pour améliorer ce sismomètre. Parce que Philippe Lognonnet était plein d'idées. Il est toujours plein d'idées. Il veut toujours faire mieux, plus performant, plus sensible. Et donc... Et donc, on a fait beaucoup de R&T. Après, on a eu des opportunités. Netlander, c'était dans les années 98-2003, qui a été abandonné. ExoMars, il y avait un atterrisseur Humboldt, ça a été abandonné. Et donc, quand Bruce Bannert décide de faire une mission de type InSight, il passe un coup de fil à Philippe Lognonnet. Il n'appelle pas le CNES, il appelle Philippe Lognonnet en disant « Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as un sismo qui est quand même génial. » Donc, on pourrait l'embarquer sur ma mission, InSight. Et c'est comme ça que les choses se font. Et ensuite, Philippe Lognonnet se tourne vers le CNES en disant, voilà, il y a une opportunité, il faudrait que le CNES signe un papier qui dit qu'il est prêt à financer. Ce que nous avons fait en étapes. Et en mai 2011, ça s'appelait GEM, mais ça s'appelle InSight maintenant, sélectionne une phase A compétitive. Donc, on n'était pas complètement encore sur les rails. Compétitif, ça veut dire qu'on peut... Il y avait 3 missions. Et on peut gagner ou ne pas gagner. Et à l'époque, nous, on a démarré le projet, et donc on était dans une situation où on avait convaincu la NASA qu'il suffisait de fabriquer des modèles de vol. Malheureusement, 6 jours plus tard, ces fameux modèles qui fonctionnaient en cave se sont mis à moins bien fonctionner. Et là, on a eu un début de problème qui a perduré, je dirais, pendant à peu près tout ce projet. Et ça a été un peu compliqué. Sur les aspects management, et Philippe Laudet qui est au JPL et Annick Sylvestre qui est là pourra vous en parler mieux que moi, ça a été assez compliqué parce que nous avions des partenaires indispensables, les Suisses qui faisaient la boîte électronique, la boîte noire à gauche. Le JPL nous faisait ce câble qu'on appelle le tesseur. Il a l'air de rien ce câble, mais il y a 200 fils qui passent dedans, il faut qu'il soit pas trop rigide, il faut qu'on puisse le déployer. Et puis, vous voyez aussi, les Américains font la partie thermique que l'on voit au milieu en haut. Nos amis allemands faisaient le leveling system, c'est-à-dire toute la partie jaune en haut à droite, pour niveler le sismomètre qui doit être parfaitement horizontal. Et les Britanniques nous apportent des courtes périodes, qui étaient évidemment sur étagère, c'est-à-dire qu'il suffisait de les prendre, on les embarquait. Ça, c'est ce qu'ils nous avaient dit et on y croyait beaucoup. C'était des technologies MEMS pour ceux qui m'ont posé la question il n'y a pas longtemps. Et donc, on a eu quand même un pilotage par le planning. Ça veut dire que les Mission Discovery sont des missions extrêmement rapides. Donc, en 2012, on est sélectionné. Il faut qu'en 2016, on parte. On a 4 ans pour faire. Donc, il n'y a plus qu'à fabriquer. Et ensuite, quand on a des problèmes, on est dans une situation extrêmement préoccupante. On pilote par le planning, c'est-à-dire qu'il faut impérativement être à l'heure. Et voilà les ennuis qu'on a eus. J'ai appelé l'année 2015 l'Anus Horribilis, puisque en 2015, qui était la veille du lancement, vous voyez la sphère, elle a collapsé, alors qu'elle allait très bien. Pendant des mois, elle était sous vide, tout allait bien, et puis à un moment, elle collapse. Et ça a surpris absolument tout le monde. On s'est dit, mais pourquoi ? Alors après, on a compris, mais je ne vais pas tout vous donner les détails. Les MEMS, ils sont là, les courtes périodes, quand on les regarde au microscope électronique, ils n'étaient pas si bien que ça. Ils avaient des problèmes de fabrication. Ça, ce n'est pas normal, ça. Ça veut dire que ça ne va pas marcher. Donc on a dit à nos amis britanniques... Ça, c'est pas un modèle de bol, il va falloir en fabriquer d'autres. Et ensuite, on avait des connecteurs sans passage de câble à l'intérieur de la sphère, sans cause de fuite possible. Il y a un des connecteurs ici qui a fui. Et ça s'est passé au mois d'août 2015, alors qu'on était en phase d'intégration extrêmement intense, pratiquement 7 jours sur 7. Et là, à 3 mois du tir, 3 mois du tir, c'est quand même la veille. La veille, on était obligé de dire à la NASA, écoutez, non, ça, on ne va pas pouvoir lancer. Donc, ça a été un effet extrêmement douloureux. Mais juste cette fuite-là, pour donner un ordre d'idée, les gens de Sodern m'ont dit que c'était comme si un pneu de voiture se dégonflait en 10 000 ans. Oui, c'était une fuite infinitésimale. C'était une fuite très, très faible. Mais vous voyez, on ne bricole pas. On est là, on ne fait pas de l'approximatif. Il faut que ça soit parfait. Et ce connecteur qui est... D'ailleurs, les connecteurs de vol sont les mêmes. Donc le problème, c'était que le fabricant industriel qui fabrique ces connecteurs, il y en a qui sont parfaits, d'autres qui ne sont pas tout à fait parfaits. Et là, on n'a pas eu de chance. Un des connecteurs fuyait un tout petit peu, mais ce n'était pas acceptable. Et donc on a souhaité considérer qu'on ne pouvait pas voler en l'état. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux pour une équipe. Vous savez, quand vous faites un effort surhumain pour livrer et qu'on vous dit « ben non »,
Maintenant, ça va être 2 ans de plus. Alors, j'ai écrit sans précédent. Ce qui est sans précédent, ce n'est pas un report de mission martienne. C'est un report de mission martienne provoqué par la France. Ça, c'est sans précédent. Et ça, ça a eu des conséquences. C'est que la communauté américaine, évidemment, a commencé à dire « Oui, c'est pas normal, c'est pas bien, tout ça. Bon. » Et là, je trouve que Bruce Bannert a été très, très bien. Il a expliqué que c'est les règles du jeu. On travaille comme ça. Chacun s'occupe de ses aléas. Et donc, nous avons eu des aléas, et la NASA a eu des aléas extrêmement importants à cause de ce report. Et donc, la crédibilité du CNES était engagée. Donc, les efforts humains, et Philippe Laudet et Annick pourra détailler ça, ont été très importants. Vous voyez l'équipe, ils sourient beaucoup là sur la photo. Ça, c'est l'équipe du CNES, mais il y a eu des moments où ils ne souriaient pas beaucoup. Et donc, ça a été extrêmement pénible, mais à la fin, on a livré, et aujourd'hui, on a un Sismo qui est parfaitement en l'état de fonctionner, qui a des tests en vol qui sont parfaitement nominaux. Et donc, je voudrais quand même féliciter toutes les équipes du CNES, de l'IPGP, du JPL, de Soderne, parce qu'on est arrivé à fabriquer ce sismomètre. Et dans 2 heures, on se pose sur Mars. Merci. Bravo. Merci, Francis. Alors, justement, que va-t-il se passer? On entend parler des 7 minutes de terreur. C'est cette fameuse séquence d'entrée, de descente et d'atterrissage, l'EDL, hein, Entry, Descent, Landing, chez les Américains. Et donc, pour en parler, bien, vous pouvez accueillir Aymeric Spiga, qui est un chercheur du LMD, le Laboratoire de Météorologie Dynamique, qui va nous expliquer en détail, cher Aymeric, merci, ce que sont que ces 7 minutes de terreur et que cette entrée dans une atmosphère comme celle de Mars. Merci, bonsoir. Donc effectivement, je vais vous parler de l'atterrissage sur Mars. Atterrissage qui s'appelle en anglais Entry, Descent and Landing. Et en fait, je m'exprime en tant que scientifique associé à la mission InSight, mais également, nous avons été appelés avec notre équipe à donner une expertise de météorologie aux équipes chargées de l'atterrissage. Alors cet atterrissage, on l'appelle les 7 minutes de terreur, pour une raison très simple, 7 minutes parce que ça dure 7 minutes, et de terreur parce que lorsque la sonde rentre dans l'atmosphère, elle envoie un signal sur Terre qui met 8 minutes à arriver. Donc autant dire que ensuite tout est automatisé, on ne peut pas réagir, c'est une série de commandes automatisées pour se poser à la surface de Mars. Oui, alors, en d'autres termes, ça veut dire qu'au moment où on touche l'atmosphère, qu'on a l'information, la sonde est déjà posée. Voilà. Vous avez compris. C'est ça, absolument. Est déjà posée ou pas. Mais ou pas. Elle va se poser, bien sûr. On est d'accord. Alors, si vous le voulez bien, on va suivre l'atterrissage. Voilà. Donc, ça commence en fait par la séparation de l'étage de croisière et la sonde rentre dans l'atmosphère à 125 km au-dessus de la surface. Et là, elle va passer de 20 000 km/h à 1500 km/h en quelques minutes. Et vous avez un chauffage très fort sur le bouclier thermique. On atteint 1500 degrés, de quoi faire fondre l'acier. Et donc, la sonde, comme ça, va ralentir énormément avant d'atteindre la deuxième étape, qui est le lâchage du parachute. Là, on est à 11 km au-dessus de la surface. Et ensuite, 15 secondes plus tard, elle va se débarrasser de son bouclier thermique, qui ne sert plus à rien. Ensuite, ses pieds vont se déplier. Et 30 secondes plus tard, vous avez l'allumage du radar qui sert à repérer la surface. Ensuite, on arrive à la troisième phase, qui est peut-être la plus dangereuse, hein. Une petite période de chute libre pour s'amuser un petit peu. Et ensuite, InSight allume ses rétrofusées qui vont la freiner. Et lorsqu'on atteint 50 mètres au-dessus de la surface, on est en descente vitesse constante à 10 km/h et on se pose délicatement à la surface de Mars. Et là, il faut éteindre les rétrofusées, sinon InSight se retourne comme une tortue. Voilà, mesdames et messieurs, comment on atterrit sur Mars. Facile. Alors, où est-ce qu'on atterrit sur Mars? C'est le point que vous voyez ici, InSight. Alors, ce site d'atterrissage a été choisi parce qu'il est proche de l'équateur, donc il y a énormément d'ensoleillement pour les panneaux solaires. Par ailleurs, il va être posé sur une surface qui est relativement meuble pour pouvoir creuser, pour que la sonde thermique HP³ aille à l'intérieur du sol facilement. Et par ailleurs, les caractéristiques du site, c'est que c'est le moins dangereux possible. Il est très plat, il n'y a pas du tout de cailloux. Très peu de cratères. Là, vous voyez une zone qui fait 100 km de large. En gros, c'est comme si des extraterrestres venaient en France et choisissaient d'atterrir en Beauce, ce qui serait un excellent choix par ailleurs. Donc, cette sonde... Voilà, c'est bon. Donc là, ce que vous voyez en rouge, c'est les caractéristiques du système d'atterrissage d'InSight, et en rose, les caractéristiques du système de Phoenix. Les ingénieurs de la NASA ont réutilisé le même système.
avec quelques petites différences, je reviens là-dessus après. Ils n'ont pas pu utiliser le système d'airbag de Spirit et Opportunity parce que la sonde était beaucoup plus lourde. Et ils n'ont pas non plus utilisé le système de plateforme particulière qui dépose à la surface comme Curiosity parce que la sonde était beaucoup moins lourde. Alors la seule différence par rapport à Phoenix, c'est que InSight se pose à 2 km d'altitude au-dessus de Phoenix, donc a priori il y a moins d'atmosphère pour ralentir. Et par ailleurs, c'est ce que vous voyez sur l'extrémité là-bas, elle atterrit pendant la tempête de poussière, pendant la saison des tempêtes de poussière, ce qui signifie que même s'il n'y a pas de tempête de poussière, il y a plus de poussière dans l'atmosphère, donc il a fallu adapter le bouclier thermique. Il est plus épais en l'occurrence, oui, pour l'abrasion. Voilà, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que c'est un bouclier thermique plus épais. Alors après, il y a une autre différence. Par rapport aux autres missions, c'est le fait que InSight est parti avec deux anges gardiens qui s'appellent Wally et Eva, en langage technique c'est Marco A et Marco B, qui sont deux petits CubeSats, ce sont des tout petits satellites qui tiennent dans la main et qui vont être chargés de relayer le signal d'InSight sur Terre s'il fonctionne bien et a priori s'il fonctionne bien également, ils devraient relayer une première image de la surface envoyée par InSight. Donc ça, Aymeric, c'est complètement nouveau, c'est totalement alors, expérimental. Absolument, c'est-à-dire que ça, c'est expérimental, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on envoie des CubeSats dans une mission interplanétaire. Le but, c'est d'essayer de tester ce système pour voir si, dans les missions futures, en fait, on ne pourrait pas envoyer à chaque fois des CubeSats qui ne coûtent pas cher et qui permettent de relayer immédiatement les choses. Parce que c'est un peu comme des Rubik's Cube. D'abord, c'est autour de la Terre qu'on les envoie au départ. Hein, c'est conçu pour ça. Et puis surtout, c'est modulaire, hein, c'est ça. Absolument. Et en plus, c'est extrêmement petit, à faible coût. Et d'ailleurs, il y a aussi des CubeSats qui sont développés dans les universités pour que les étudiants apprennent à lancer des choses dans l'espace. Voilà. Ce sont des CISU hein, pour les spécialistes des nanosats. Et le grand panneau que vous voyez là, c'est l'antenne Grand Gain vers la Terre, qui est une antenne plate, et non pas... donc c'est une antenne électronique plate moderne. Et c'est ça qui envoie l'information vers la Terre. Alors après, InSight, bien sûr, va aussi envoyer directement un bip vers la Terre qui sera capté par les paraboles. Alors... dernière chose sur l'atterrissage. Au cours de l'atterrissage, on fait des mesures scientifiques. En fait, c'est comme si vous jetiez votre téléphone portable dans l'atmosphère de Mars. Votre téléphone portable, il a des accéléromètres et des gyroscopes pour mesurer l'orientation et l'accélération. Et en fait, en mesurant la trajectoire et la vitesse de la sonde, on peut en déduire le milieu dans lequel elle s'est propagée, c'est-à-dire l'atmosphère. Et on arrive au diagramme qui est au milieu, qui s'appelle un diagramme spaghetti. Parce que vous voyez, il y a plusieurs spaghettis qui sont en fait les profils de température au cours de chacun des atterrissages sur Mars. Donc on va rajouter un profil, et avec ça, on aura des informations en haut de l'atmosphère sur les ondes qui se propagent dans l'atmosphère, au milieu de l'atmosphère sur l'influence de la poussière sur la température et le climat de Mars, et en bas de l'atmosphère, très important, on aura des informations sur les turbulences. Et ça, c'est d'autant plus important que le sismomètre CIS, lorsqu'il sera à la surface de Mars, il sera très sensible aux turbulences, et donc ce sera tout un travail qu'on aura à faire. Merci beaucoup. On peut applaudir Aymeric, qui est aussi maître de conférence à Sorbonne Université. Et vous voyez sur le côté droit, donc je ne vous l'ai pas dit, mais il faut surveiller les écrans latéraux. Voilà, nous avons Frédéric Castel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Nous sommes un tout petit peu en avance là, mais on a la chance d'avoir Barnert, directeur scientifique de cette mission, père de cette mission. Mais avant ça, je vous rappelle quand même où on en est. On est bien sûr au Jet Propulsion Laboratory. Et je vous rappelle que c'est toutes les missions automatiques planétaires qui sont ici. Là, c'est la neuvième fois que la NASA atterrit sur Mars. Parmi les 200 Français qui ont participé à la mission, une trentaine d'entre eux sont ici, comme ingénieurs ou comme scientifiques, et participent déjà aux opérations pour certains d'entre eux et pour les autres dans quelques jours. Avant de passer la parole et poser la question à Bruce Barnett, je résume un tout petit peu. Il aime souvent rappeler trois chiffres. C'est qu'il y a 7 ans qu'il travaille sur InSight. Il y a quasiment 7 mois que cette sonde a été lancée en Californie, pas très loin d'ailleurs, pas très loin d'ici. Et il va y avoir 7 minutes de terreur que vous avez déjà évoquées. Avec d'autres chiffres, c'est à peu près 6 fois la vitesse d'une balle de revolver pour ensuite atterrir en douceur sur les 3 pieds amortisseurs. But now I have to switch into English. So Bruce, thank you very much to be with us. You were already at the, I give some background, at the JPL in 1976 when Viking landed and you were a student here, but you're already quite interested
by the seismometer. That's right. I was already a geophysical student, and I was very, very eager to the seismic data coming from Mars, even back in 1976. And you've been dreaming for decades to your mission inside to be selected in the Discovery program. Patient and persistent. Yes, I have. In 2011 and 2012, when you were selected, why did you choose right away to work with the Institut Physique du Globe, IPGP, in Paris, with CNES and with European partners? Was it for their know-how? Yes, actually it was, and I had already been working with Philippe Lognonet at IPGP for at least 10, 15 years before that. They have worked on developing a seismometer specifically to go to other planets, the Mars in particular. And really, there was no other instrument in the world that could compare with the level of... On avait le meilleur sismo, et donc il est venu nous voir. Je crois que c'est ça qu'il dit. The best translator in Paris, Francis Rocard and Gilles Davidovich. You often underline that InSight will be a kind of time machine to discover the past history of Mars and by analogy also what happened to the Earth. Can you tell us why is it so important? Mars is very different from the Earth in the sense that on Earth, after the planet was formed 4.5 billion years ago, Earth went into a phase of plate tectonics where the plates are being constantly pulled down into the mantle, remelted, and brought back up for new crust at the oceans. And so none of the surface of the Earth is really continuing from early in Earth's history. But Mars did not do this. Mars formed, it went from a ball of meteoritic dust melted, changed into a core, crust, and mantle very early, only a few tens of millions of years after its birth, and then stopped changing. And so we were able to go to Mars and look at conditions that were the conditions that occurred very early in Mars's history and the same ones that happened on the Earth. And so by studying Mars, we can actually see what the Earth may have looked like 4.5 billion years ago. Thank you. Bruce Barnett, what is your feeling and what is especially the vibration inside the control room at this moment? Well, we're all very excited and we're all very nervous also because landing on Mars is very difficult and very risky. We've been successful in the last few times we've tried to go to Mars. And of course, on this mission, we've spent the last 7 years trying to think of everything that could possibly go wrong and fix it. But once you get to Mars, the spacecraft is flying itself from here on. We have no more effect on it. And it has to do everything perfectly to get down to the surface. So we'll be watching very carefully and very nervously until we get down to the surface. But we're very confident. We have a spacecraft that's been operating beautifully in space. And we expect it to operate beautifully all the way to the surface of Mars. Even if you feel pretty... safe and secured. How do you sleep at night, if I may ask? I don't sleep so much, but I wake up and I think about what's going to happen, and then I try to sleep and I think about something else, and it's finally I just give up and get up and get to work. Thank you so much, Bruce, for your time. You have to go back to Mission Control. Oh, you're very welcome. Thank you very much. Thank you so much. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de reformuler un petit peu ces quelques instants. C'est difficile de traduire à la volée, donc on préfère plutôt traduire. Ça sera le seul moment vraiment où on aura de l'anglais en live. Pour faire simple, en fait, d'abord, Frédéric a demandé à Bruce Bannert depuis quand, en fait, lui était venue cette passion. Et finalement, Bruce travaille... il a vécu en fait en 1976 l'arrivée des Vikings sur Mars, donc les deux premières grosses sondes à avoir atterri sur la planète. Et qui possédaient des sismomètres. Et qui possédaient déjà des sismomètres, mais sensiblement moins précis. Voilà, dont l'un des deux ne s'est jamais débloqué, donc il n'a rien donné, et l'autre qui était posé sur la sonde a finalement mesuré le vent. Donc comme étudiant, il étudiait un signal et il s'est rendu compte qu'il analysait du vent, ce qui devait être assez frustrant pour un sismologue. Voilà. Ensuite,
Ensuite, il lui a posé la question de pourquoi les Français, pourquoi l'Institut de physique du globe et le CNES. Et là, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'autres nations à avoir ces types de compétences, aussi bien scientifiques, finalement, qu'industrielles. Et spécifiquement sur ce sismomètre, sur lequel nous travaillons depuis une vingtaine d'années en R&T. Alors, Philippe nous expliquera ce qu'est un sismomètre, mais c'est quelque chose quand même de très fragile et très sensible, et évidemment peu compatible, a priori, avec le milieu spatial, parce qu'il faut d'abord décoller, il y a beaucoup de vibrations, il y a des accélérations, il y a des décélérations, et puis après, comme on l'a vu, comme Aymeric nous en a parlé, il y a un freinage très important, et à nouveau, beaucoup de vibrations, donc c'est plutôt peu compatible. Et ce qu'il faut dire, c'est que les budgets sont extrêmement contraints dans ces missions, donc il a très vite compris qu'il ne pourrait pas faire une mission martienne en développant un sismo américain. Donc il fallait absolument, c'est pour ça qu'il est allé prendre notre sismomètre et qu'il est allé prendre la mesure de flux de chaleur en Allemagne avec HP Cube, parce que voilà, c'était un problème de budget aussi. Ensuite, son avant-dernière question, c'est finalement... qu'est-ce qu'on va apprendre avec le sismo ? Pourquoi étudier Mars ? Oui. Et il répond que bon, la Terre il y a ce phénomène de tectonique des plaques avec fabrication de croûte et phénomène de subduction. Il n'y a pas ce phénomène sur Mars et on essaye de comprendre comment Mars a évolué et pourquoi aujourd'hui la tectonique des plaques est un phénomène unique dans le système solaire. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Est-ce que c'est spécifique à la vie ? Voilà, il n'a pas dit tout ça, mais je brode un peu sur le sujet. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est un petit peu derrière toute cette étude. Il a quand même dit que c'était un voyage dans le passé. Absolument. Non, c'est toute la formation et évolution d'une planète comme Mars, qui a eu une activité volcanique absolument phénoménale, vu la taille des volcans qu'il y a sur Mars. Donc tout ça, ça vient du manteau. Mais néanmoins, pas de tectonique des plaques. Et la question de savoir si aujourd'hui, il y a des vibrations par des effets de refroidissement thermique, par exemple, ou par des effets résiduels sur les volcans, mais Philippe en dira... On va y venir dans un instant. Voilà. Les grandes questions. Et la dernière question, c'était, en parlant de vibrations, quelles étaient les vibes et les vibrations à l'intérieur du centre de contrôle ? Bruce est extrêmement confiant. Tout va bien à bord. Donc, finalement, les Marco vont très bien. La sonde Inside va très bien. Et ils sont tous extrêmement... pas inquiets, mais ils sont à vif, en se disant maintenant... On va voir l'événement, on va le subir, parce que on subit au sens où on ne peut pas intervenir. Voilà, donc on a vraiment eu un privilège d'avoir Bruce Bannert en direct, parce que c'est évidemment un homme très pris actuellement. Et dans quelques minutes, ce n'aurait pas été possible. Voilà, alors on va poursuivre justement avec... ça c'est fait déjà. Voilà, on va poursuivre avec Philippe Lognonnet, que vous pouvez applaudir deux fois. Philippe, merci. Alors, vous savez, je vous disais tout à l'heure, c'est une histoire humaine, et Francis l'a dit, mais il faut le répéter. Philippe, il est un peu de la classe des grands explorateurs qu'on a en France du système solaire, des arpenteurs. Francis l'a dit, ça fait 30 ans. On a quelques autres exemples comme ça. On a eu des exemples comme Daniel Gauthier, le regretté Daniel Gauthier, qui a pendant toute sa vie milité pour explorer Titan. Eh bien, voilà, Philippe, c'est l'explorateur de l'intérieur de la planète rouge. Et ça fait bientôt 30 ans. Donc, bravo. Explique-nous, Philippe. D'abord, merci d'être ici et pas au JPL. Merci d'être avec nous. C'est à nouveau un privilège. Et explique-nous le cœur de cette science. Bien, bonjour. Bonjour. Et puis, c'est un grand plaisir d'être avec vous tous, avec tous les membres des équipes de tous les organismes, laboratoires de Toulouse, de l'IPG et aussi de tous nos contractants industriels, y compris Soderne, qui nous permettent de vivre ce moment. Donc je suis comblé par cette merveilleuse équipe en fait, qui m'a entouré et qui a permis d'en arriver là. Alors, comme Bruce le disait, cette mission, c'est un retour en arrière. Je vais passer le retour en arrière me concernant. Bruce et moi avons commencé ce projet avec des petits-enfants, des bébés. Ils sont tous là, à nous écouter. Donc,
Voilà, donc ça c'est le petit retour en arrière personnel, mais pour ce qui est de la science, en fait, on va faire deux retours en arrière. Alors si j'avais les moyens de vous montrer, on va d'abord faire une spécialité de la French vinaigrette, la vinaigrette française. Vous savez, si vous voulez regarder la quantité d'huile dans votre vinaigrette, ce n'est pas en la remuant que vous allez faire ça, vous allez attendre que ça sédimente. Alors ça, ce n'est pas tout à fait de la sédimentation, mais en gros, que l'huile se dégage du vinaigre. Et c'est un petit peu la même chose pour une planète. Quand elle se forme, en fait, le fer, les silicates sont mélangés. Et puis, très rapidement, il y a un processus qu'on appelle l'accrétion. Et puis ensuite, une séparation entre les silicates et le fer. Le fer va tomber. Et finalement, mesurer la taille du noyau, c'est tout simplement mesurer la quantité de fer. Et quand vous avez la quantité de fer, vous pouvez faire le rapport fer sur silicate. Pour la vinaigrette, c'est la quantité de matière grasse. Donc finalement, ça c'est la première chose. Retour en arrière, il y a 4,5 milliards d'années lors de la formation de Mars. Et c'est la deuxième fois qu'on va faire cette expérience dans le système solaire pour une planète tellurique. La première fois, on l'a fait sur la Terre. La deuxième fois, on le fait sur Mars. Et donc, vous comprenez que quand on a deux points, on peut déjà au moins tracer une droite. Donc on peut faire plein de théories pour comparer les deux planètes. Deuxième retour en arrière, comprendre pourquoi la Mars a cessé de fonctionner. Tout à l'heure, donc, Francis a évoqué la possibilité que la vie ait quelque chose à faire dans la tectonique des plaques. Peut-être que la vie a quelque chose à faire dans le maintien de la tectonique des plaques. Ce n'est pas complètement impossible. Mais disons que la grande question, c'est pourquoi est-ce que Mars avait des rivières, un champ magnétique, des volcans il y a 4 milliards d'années, et pourquoi tout ça, en fait, assez rapidement a disparu. Et la question, encore une fois, c'est à l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur que se trouve le moteur qui fait tourner cette planète. Et donc, ce moteur, c'est ce qu'on appelle, en termes scientifiques, des courants de convection. C'est un petit peu comme les pistons d'une voiture. Et finalement, cette mission, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calculer la puissance fiscale, c'est-à-dire la chaleur qui s'en dégage. Ça, c'est mon collègue Tilman Spohn, avec l'expérience de flux de chaleur, qui va le faire. Et nous, on va faire des photos. Des pistons, des moteurs, essayer de voir tout simplement pourquoi est-ce que ça ne marche plus. Et pour faire ça, eh bien, on va utiliser un instrument qui est ce sismomètre, qui permet de radiographier à l'intérieur de la planète par l'intermédiaire de la propagation des ondes. Et comment est-ce que ça va marcher? D'abord, ça a très bien marché sur Terre. Et ça, c'est aussi un autre moment extraordinaire pour notre équipe, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on va tourner une nouvelle page de la sismologie. Une page qui a commencé il y a plus d'un siècle, à la fin du 20e siècle, donc en 1889. Si vous allez dans le hall, vous verrez un instrument qui fonctionnait déjà en région parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés, à la belle époque, donc vers 1914. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 20 ans, en fait, on a découvert l'intérieur de la Terre, on a découvert des séismes, on a découvert la croûte, on a découvert le noyau, et tout ça s'est fait avec des énormes instruments à une technologie qui n'a rien à voir, évidemment, avec celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les détails de la Terre. Un peu plus tard, avec Apollo, on a fait la même chose sur la Lune. On a détecté des séismes avec les missions Apollo. J'espère qu'on y reviendra pour refaire de la sismologie sur la Lune. Et encore une fois, on a pu voir l'intérieur de la Lune. Et une chose extraordinaire, on a découvert aussi que la Lune avait un noyau liquide. Ça, c'est quelque chose un peu terrible pour l'enseignant que je suis. Jusqu'aux années 2000, j'ai raconté n'importe quoi à mes étudiants en leur disant que la Lune était froide et elle avait sûrement un noyau solide, tout simplement parce que ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé 30 ans après Apollo, ce qui montre que ces données toujours donnent quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, on va faire la même chose sur Mars. On ne connaît rien, on va tout apprendre. Évidemment, on a des idées, on a des collègues qui font de la minéralogie, de la théorie, des enclumes haute pression, donc on a des idées de ce qui se passe à l'intérieur. On connaît la masse, mais on connaît vraiment tout. Très, très peu les détails. Et donc, on va voir avec ces ondes, vous en avez un exemple ici, deux types d'ondes et puis une onde de surface qui se propage à la surface de la planète. On va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et on va voir, un petit peu comme un système de radiographie, d'échographie, des ondes qui pourront se réfléchir sur le noyau, comme vous les avez ici, et qui vous permettent de comprendre que si vous détectez ces ondes, ben vous avez le temps d'aller-retour vers le noyau, et ça vous donne tout de suite la taille du noyau. Donc c'est toute cette technique qu'on va le faire. Évidemment, le problème, c'est que Mars est une planète qui n'est pas très active, et donc les séismes génèrent des ondes qui ne sont pas très grandes. Ici, vous avez un exemple d'un séisme de magnitude 4,5 avec une onde qui se propage. C'est ce qu'on appelle l'onde de surface. Vous la voyez arriver, elle est énorme, 15 nanomètres par seconde carré d'accélération, c'est-à-dire en termes de gravité terrestre, c'est-à-dire
un milliardième de la gravité terrestre. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Et en fait, ce n'est pas cette onde qu'on veut détecter. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une seule station. Il faut qu'on puisse déterminer la distance de propagation des ondes pour mesurer leur vitesse. Et donc, on va sagement attendre que cette onde fasse un tour complet autour de la planète. Et la voilà qui arrive bientôt. Hop, la voilà, après un tour complet de la planète. À ce moment-là, le tour est joué. C'est comme si vous étiez dans un stade, vous avez mesuré le passage d'un coureur de fond à deux moments avec votre montre. Vous connaissez la distance du stade, la circonférence, et ça vous donne tout de suite sa vitesse. C'est ce qu'on va faire avec cette mission, avec une seule station. Évidemment, par la suite, on en proposera beaucoup plus, mais ça peut-être après le retour d'échantillons. Attends, quand on a la vitesse, on a la position ? Alors, quand on a la vitesse, hein, eh bien, techniquement, on mesure le temps de première arrivée, R1, le temps de deuxième arrivée, R2, le temps de troisième arrivée, R3, trois grandeurs pour déterminer la vitesse, la position et le temps de la source. Donc 3 et 3, ça, c'est parfait, on a tout le problème. Et comme on a un sismomètre, trois axes, on a la direction. Et donc avec la direction, on sait qu'elle vient du nord, du sud, donc on a la position. Et ça, ça a été évidemment testé pendant toute la mission. C'est très complexe et extrêmement sensible. Sur Terre, ça donnerait quoi comme sensibilité ? Eh bien, sur Terre, ça vous permet de savoir qu'un séisme, on l'a fait, hein, évidemment sur Terre, ça nous permet de savoir qu'un séisme qui est en Californie, en fait, et vient de Californie à 100 km près. Donc, depuis Paris ? Depuis Saint-Maur. On l'a fait depuis Saint-Maur ou depuis la Forêt Noire pour tous les tests qu'on a fait. Alors évidemment, le gros problème, c'est qu'à la fin, on a des ondes qui sont toutes petites. Et ces ondes qui sont toutes petites, hein, et ben il faut bien les détecter. Et c'est pour ça que cet instrument va être, le film suivant, déployé avec beaucoup de précautions. Ici, donc, vous avez le déploiement de ce capteur qui est posé sur le sol. On va le recouvrir d'un bouclier éolien. Là, c'est l'autre capteur allemand qui va être déployé également. Et c'est cette protection-là qui nous permettra vraiment de mesurer des tout petits déplacements pour des déplacements rapides, des déplacements de la taille d'un atome, et pour des ondes plus longues périodes, des déplacements de quelques centaines, du moins de quelques dizaines de nanomètres. Et donc, on a vraiment là quelque chose. Et dernier point, ici, vous voyez que ce marteau va taper, et on va pouvoir aussi enregistrer ces ondes qui vont se propager pour essayer aussi de voir la subsurface. Mais le marteau, il est juste à côté. Il est juste à côté. Ça va faire un boucan terrible. Ça va faire un boucan terrible, mais on a testé ça, évidemment, et on va détecter les réflexions des ondes sur les couches du sol, avec évidemment l'espoir de voir peut-être des couches qui vont changer en termes de vitesse. Quelle profondeur, à peu près, si on a de la chance ? Sur le marteau, on pense qu'on arrivera à 50-100 mètres, peut-être, en sommant tous les signaux générés par l'enfouissement de la sonde. Alors, dernier point, combien il y a de séismes ? Eh bien, on n'a évidemment pas des certitudes, mais on sait que sur Mars, il y a plein de choses. Vous voyez de belles failles sur cette image prise par la sonde Mars Express. On sait aussi qu'on a de temps en temps des impacts de météorites, quelque chose comme 5 par an, et vous voyez la différence entre avant l'impact et après l'impact. Et donc, avec la tache noire, eh bien, ça nous donnera tout simplement la position, encore une fois la vitesse. Et avec ça, et avec le CNES, on pourra déterminer la position précise, la taille du cratère, la forme du cratère, ça nous donnera tout plein d'informations sur la source. Et à partir de tout cela, encore une fois, comme on a la distance, on a les temps d'arrivée, eh bien on est capable de déterminer la structure de la croûte. Et là, vraiment, l'espoir, c'est de trouver pour la première fois de l'eau liquide sous la forme d'une atténuation des ondes sismiques accrues à grande profondeur, peut-être 5-10 km de profondeur. Dernière chose, on aura aussi, et ça c'est un clin d'œil pour Aymeric qui va analyser ça et qui va représenter toute la communauté atmosphéricienne ou de la communauté de l'atmosphère sur Mars. On a aussi des tourbillons de poussière. Vous voyez que ces tourbillons laissent une trace à la surface derrière ce chemin noir. Autrement dit, ils tracent leur route. Et encore une fois, comme ils ont tracé leur route, vous savez où ils sont dès que vous avez la direction du signal. Et ça nous donne de nouveau la distance. Et ça nous permet à la fois d'écouter le son dans l'air, parce qu'avec un capteur de pression du GPL, et évidemment les ondes générées. Et donc, je vais conclure ici. Donc, ça va être une foison de données analysées, beaucoup de découvertes, hein, des choses qu'on pense connaître et surtout des choses qu'on ne connaît pas. Et évidemment, avec ça, une équipe d'une dizaine de co-investigateurs français, avec beaucoup de collaborateurs, des étudiants, des post-docs
évidemment tous les ingénieurs sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Philippe, merci, bravo. Beaucoup. Parfait. Peut-être une ou deux questions. As-tu une conviction personnelle sur ce qu'on va découvrir sur, c'est toujours difficile, hein, quand on est chercheur, d'avoir des convictions avant, avant la mesure par l'outil. Oui, alors, qu'est-ce que je... Là où je suis prêt à parier. Donc, je suis prêt à parier que le noyau est liquide. Parce que s'il était solide, ça serait vraiment... Tu peux signer là ? S'il était solide, ça demanderait une seconde mission vers Mars pour en être certain. Donc tu signes. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'on va bien mesurer sa taille. Et ça, alors évidemment, on est un peu dépendant de la magnitude des ondes. Et surtout, je pense qu'on va découvrir un nouveau domaine de la sismologie qui finalement, au début, nous faisait peur parce que c'est le bruit de l'atmosphère. Mais là, il va y avoir quelque chose d'assez extraordinaire. C'est finalement la première fois où on va pouvoir écouter le bruit de l'atmosphère d'une planète sans être embêté par l'océan. Parce que sur Terre, on est embêté par l'océan. Alors c'est à la fois bien, mais ici, ça va être très amusant. Et je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses sur la sismologie couplée avec l'atmosphère. Alors, ce que Philippe ne dit pas, c'est que dans les missions NASA, c'est beaucoup plus précis que ça. C'est-à-dire les objectifs scientifiques sur la précision de la taille du noyau, de l'épaisseur de la croûte, sont écrits noir sur blanc. Alors voilà. Voilà. Et deuxième point sur HP Cube. HP Cube, vous inquiétez pas, HP Cube va s'enfoncer à 5 mètres, il va perturber le sismo, c'est une source à part, et ensuite HP Cube, c'est fini. Donc le sismo, il va fonctionner 2 ans tranquillement, par définition, un sismomètre, on n'y touche pas, on le laisse alors, travailler. Nous reviendrons tout à l'heure, voilà, sur les conséquences de... Et ce que je voulais juste rajouter, évidemment, tout ça, c'est un peu un contrat, c'est-à-dire c'est des exigences de mission. On a déjà beaucoup travaillé là-dessus, on a déjà beaucoup publié. Avant que la mission arrive, on a déjà plus de 90 articles publiés par la communauté scientifique qui prépare la mission. Bravo. Bravo. Bravo, Philippe. Merci encore. Alors, retour tout de suite, je vois mon ami Frédéric, accompagné de Philippe Laudet, le chef de projet SEIS au Centre national d'études spatiales. Messieurs, alors, est-ce que la pression monte ? La pression monte, absolument. On a la chance d'avoir les ingénieurs du CNES, mais aussi bien les Américains que les Français disent bien qu'ils se sentent assez rassurés par l'expérience de la NASA. Mais tout le monde, quand même, a des petites sensations fortes au niveau du ventre et des nuits où on se réveille plusieurs fois avec des inquiétudes. Mais on a la chance d'avoir Philippe Laudet, comme vous l'avez dit, Gilles, chef du projet de déploiement de SEIS. Vous allez être ici pour plusieurs mois, mais parlons d'abord, depuis 7 ans, quel type de défi avez-vous dû relever pour cette mission particulièrement complexe? Alors effectivement, ça fait 7 ans que le CNES m'a confié le poste de chef de projet du sismomètre. Donc on a 2 choses à faire. La première, c'est de traduire les exigences scientifiques dont viennent de parler Francis et Philippe Lognonnet, que je salue au passage, en concrétisation technique. Parce que lorsqu'on nous dit les variations de température sont très problématiques, la vitesse du vent c'est ennuyeux, les variations de pression sont très problématiques, il faut un instrument sur Mars, qui ne sera pas installé par des géophysiciens, parce qu'eux, ils savent le faire sur Terre, mais sur Mars, ils n'y sont pas, et donc qui automatiquement va être conçu et déployé pour répondre à toutes ces exigences et fournir les bonnes performances. Donc il y a eu un défi technique qui était très important. Mon rôle était particulièrement de m'assurer que tous les ingénieurs du CNES, de nos partenaires et des sociétés qui ont travaillé avec nous, aient ce qu'il fallait pour pouvoir relever ces défis. Hein, ils les ont relevés, hein, on peut le dire, avec grande fierté, il ne faut pas hésiter. Oui. Et la deuxième chose qui était dans mon escarcelle, c'est de coordonner tous ces gens. Parce qu'il y a eu, par moment, plus de 200 personnes en Europe sur juste le sismomètre. Hein. Donc, tous ces gens venaient de plusieurs pays, différentes cultures. Si vous voulez, je peux passer à une analogie qui me tient à cœur. C'est que
c'est comme si j'étais si j'avais été un chef d'orchestre à qui on a dit, ben voilà, il y a un orchestre symphonique qui arrive avec que des musiciens. Mais vous l'êtes, j'ai oublié d'insister sur le jazzman hors pair. C'est entre parenthèses depuis le début du projet, qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Donc chef d'orchestre aussi, avec les équipes. Avec les équipes, parce que c'est comme il y avait tout un tas de types d'instruments, mais des musiciens qui n'avaient jamais joué entre eux, tous très très bons, et puis qui venaient tous de différentes musiques, les uns du classique, les autres du jazz, les autres je ne sais quoi, moi du folklore irlandais, de très belles musiques, mais très différentes. Et puis, je leur ai donné la partition. Philippe Lognonnet avait écrit le livret, si vous voulez, et moi, je leur ai donné la partition d'orchestre que personne n'avait pu écouter et personne ne l'avait jamais joué. C'est la plus difficile, en plus, qu'il fallait faire. Et à ces gens-là, qui ne parlent pas la même langue, de tous âges et de toute culture, je leur ai dit, en plus, le concert, c'est bientôt, donc il faut se dépêcher. C'est la difficulté. Il y a une aventure technologique extraordinaire et il y a une aventure humaine extrêmement enrichissante. Et là, ce dont je suis très content pour eux tous, c'est que tout ça, on a franchi les étapes et le concert débute demain matin avec l'allumage du sismomètre qui sera bien déployé sur le sol. Et d'ailleurs, aussi bien les Américains que les équipes françaises, vous insistez, c'est déjà un bénéfice avant même la mission, c'est qu'il y a vraiment une seule équipe. Tout le monde travaille ensemble avec les cultures que vous évoquez. Absolument. Il y a eu vraiment des passages dans le projet où on était en totale équipe intégrée. C'est-à-dire qu'on parlait à des Américains comme à des Anglais, des Suisses, des Allemands. En plus, la Suisse a cet intérêt d'avoir aussi plusieurs cultures au sein de la fédération. Ouais. Elle-même, il y avait l'ESA, l'ESA Prodex, qui travaillait avec la Suisse pour ce projet. Et donc, à l'ESA, on avait encore aussi d'autres nationalités, des Italiens. Enfin, bon, il y a eu un moment où on était tous ensemble et tout était bon pour se comprendre, pour bien arriver aux objectifs au profit de ce projet. C'était vraiment l'objectif unique pour tout le monde. C'est une grande leçon, ça. Mais Philippe Ledet, maintenant, dès qu'on espère cette sonde va se poser, vous avez encore énormément de choses à faire sur plusieurs mois et vous restez ici jusqu'au début d'année prochaine. Voilà. Comment ça va s'organiser ? En fait, une fois InSight posé, le truc le plus important, c'est que les panneaux solaires s'ouvrent parce que sinon les batteries ne peuvent permettre de tenir que deux journées terrestres. Mais une fois que les panneaux sont déployés, on a de l'énergie. Donc, tout de suite, on veut des photos. D'ailleurs, on en aura peut-être une rapidement, mais tout ça, on le saura tout à l'heure. Parce qu'on veut découvrir ce terrain. Ce terrain, c'est celui sur lequel on va installer le sismomètre. Donc, il y a tout un groupe qui prépare depuis des mois et des mois des algorithmes qui vont faire des modèles numériques du terrain à partir des images qu'on va recevoir pour pouvoir discuter et dire le sismomètre, c'est là, et HP cube, ce sera là, et pas ailleurs. Et donc, nominalement, ça devrait arriver début décembre, autour du 10 ou du 12 décembre, où on dise, ça y est, on est tous d'accord, on déploie. Et là, le bras va déployer, et le sismomètre va être amené le premier à sa place, avec beaucoup de précautions, et en fait, tel le cadeau de Noël au pied du sapin, il va être posé sur le sol de Mars, au moment de Noël, à peu près. Et ensuite, on est thermique, et tout ça nous amène début janvier pour avoir fini de déployer le site, et après, pour déployer HP cube. Donc ça nous amène fin janvier. Oui. Et donc ensuite on vérifie que tout ça marche, ça prend encore un mois de plus et voilà pourquoi il faut rester sur place. Mais Philippe, pouvez-vous nous expliquer, c'est quand même une mission exceptionnelle, l'administrateur de la NASA vient de le dire encore, de coopération, c'est-à-dire qu'il y a énormément de moyens français, européens, allemands, suisses, tout ce qu'on a évoqué. Quand vous travaillez, vous avez toujours un interlocuteur américain sur chaque tâche. Comment ça se passe, effectivement? Parce que d'habitude, le JPL, effectivement, gère intégralement ses missions, au détail près. Et ils ont l'expérience de plusieurs décennies. Ça s'est passé, on a appris à marcher en marchant. C'est-à-dire que comme ça allait très vite, parce que le planning imposé était extrêmement tendu, on s'est rencontrés, on a dit tel sujet avec qui on en parle, qui c'est qui centralise, qui c'est qui fait la synthèse. Et petit à petit, les interfaces humaines se sont créées. Mais ça a été très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde. Au JPL, ils étaient très nombreux aussi. C'est l'instrument principal de la mission. Des centaines, Ah oui, des centaines, oui. Mais c'est un secret pour personne que la NASA a un nombre de personnes travaillant au JPL. Ici, il y a 7000 personnes qui travaillent. Et c'est juste un centre de la NASA. Donc, on a eu énormément d'interlocuteurs. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de travail pour rationaliser et tout ça, pour faire des bonnes réunions, trouver des vecteurs pour communiquer la bonne info et pas des infos anarchiques et contradictoires dans tous les sens. Ouais. Tout ça, c'est du management. Et ça a été très riche et ça s'est fait naturellement. Il y a eu parfois quelques petits couacs. À chaque fois, on s'en est expliqué et on en est sorti renforcé parce qu'on n'a pas reproduit deux fois les mêmes erreurs. Donc,
globalement, ça a très très bien fonctionné. Même comme si un orchestre avec des répétitions, j'imagine. Oui, c'est ça. Des vraies répétitions. Et oui, quand vous avez le deuxième violon qui explique au premier violon comment il doit jouer, ça ne marche pas. Il faut lui dire non, c'est le premier violon qui doit. C'est l'inverse. Vous voyez, il y a eu tout ça. Très bien. Un peu moins de jazz peut-être en ce moment. Un peu moins d'improvisation, on va dire. Hein. Même si, bien. D'une certaine façon, il y a dû en avoir quand même. Merci beaucoup, Philippe Laudet. Et on repasse. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Francis a une question. Non, juste une précision, c'est que la mission Insight est une mission à un principal investigateur, c'est-à-dire qu'il y a un chef scientifique, c'est Bruce Bannert, à l'inverse d'une mission comme Curiosity ou Cassini, où il y a chaque instrument a son propre PI, principal investigateur. Donc ça veut dire que la façon dont l'équipe autour de Bruce Bannert va traiter les données, chacun va avoir son rôle, mais c'est coordonné par Bruce Bannert qui est le chef d'équipe sur Merci. L'aspect scientifique. On peut applaudir évidemment très fort Philippe Laudet du Centre national d'études spatiales, le chef de projet. Merci. Frédéric, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, retour ici même. Et justement, nous allons maintenant faire un retour sur la conception et la construction de cet instrument exceptionnel. Et je vous demande d'applaudir Annick Sylvestre-Baron, chef adjointe du projet SEIS au CNES, et Antoine Lecoq, chef de projet adjoint à Soderne. Donc, expliquez-nous comment on arrive à fabriquer, voilà le pointeur laser, cet instrument d'exception qui est ici et qui va donc, ce sismomètre incroyable, puisque je crois savoir qu'il y a des parties nanométriques dans cet instrument d'exception. Tout à fait, Gilles, merci. Donc moi, je fais partie de l'orchestre de Philippe, je suis donc son adjointe. Et donc, Philippe Lomionnet vous a montré que notre instrument est ultra sensible, il doit l'être. Et les ingénieurs du Centre spatial de Toulouse, avec la coopération des Américains et des Européens, ont tout fait pour rendre aussi cet instrument ultra résistant. Ce soir, d'ailleurs, notre instrument va subir un grand stress. On l'a connu lors du lancement et maintenant on va en avoir un autre ce soir. Et le CNES a conçu un système d'amortissement parce qu'il va falloir être très résistant aux vibrations, aux accélérations, désaccélérations. Et pour vous donner un titre d'exemple, au moment où on va ouvrir les jambes du lander, il va se créer un choc de 2000 G, très ponctuel. C'est un énorme coup de marteau que pourrait prendre le sismomètre. Et ce système d'amortissement a été conçu pour que ce soit réduit à 100 G. On sait que ça a bien marché. C'est oui, énorme. 100 G pour un instrument. Francis, c'est quand même très rare que des instruments dans le spatial subissent 100 G de. Oui, enfin, pour les chocs, ça va vite. Hein. C'est très ponctuel. Faire tomber un objet de diamètre, c'est tout de suite 10 000 G. Hein. Donc oui, ça va très, très vite. C'est très, très vite. Bon. On sait qu'il a très bien tenu lors du lancement, ce système d'amortissement. Et il doit remplir son rôle ce soir. Pour venir à la conception maintenant de cet instrument sur Mars, je vous propose cette belle illustration. Alors ça, c'est l'idéal. On est sur un terrain plat. L'Insight est intègre, il est bien posé. C'est ce qu'on attend tous ce soir. Et on voit le déploiement de notre instrument. Ceci, comme le disait Philippe Laudet, ça n'arrivera qu'en début d'année prochaine. Et on voit ce fameux bras robotisé qui a été conçu par les Américains. Et tout se passe, il y a un énorme enjeu autour de ce bras, parce qu'il va falloir qu'il dépose nos instruments. Et il a fallu faire, comme dans tout le spatial, on fait la chasse au kilo, etc. Et là, c'est la chasse au gramme. Il a fallu faire un instrument léger. Alors, l'instrument que vous voyez au sol, la partie, le cœur, là, qu'on voit, il fait sur Terre 9 kilos. Si on emmenait une balance sur Mars, il ne ferait que 3,5 kg, dû à la gravité martienne qui est trois fois moindre que sur Terre. On voit après ce beau bouclier éolien et thermique réalisé par les Américains, le JPL. Alors là, on le voit toujours en illustration. Il a une cote de maille qui épouse parfaitement le sol. Le but, c'est surtout, il ne faut pas laisser passer le vent ni le sable. C'est un bouclier donc, qui va protéger thermiquement, c'est un bon isolant thermique, et qui va aussi protéger du vent. Quand je descends un peu plus dans l'instrument, on a une deuxième couche de protection thermique qui va bien isoler l'instrument.
cette matière que vous voyez dorée. Pour les spécialistes, c'est de la MLI. On descend un peu plus dans le cœur de l'instrument, on voit la fameuse sphère qui contient les fameux sismomètres français. Et autour de cette sphère, une couronne où on voit des sismomètres anglais, il y en a trois. Voilà, par là, on voit même l'intérieur, ici. C'est des petites boîtes d'allumettes et la partie active dedans, c'est... ça représente à peu près une pièce de 2 euros. On voit aussi un des pieds construit par les Allemands, le fameux système de nivellement qui va permettre de récupérer la pente naturelle du terrain. Et maintenant, je vais passer la main à Antoine qui, lui, va vous dire comment ont été conçus ces fameux sismomètres français. Merci Annick. Bonsoir. Donc je vais effectivement vous présenter ces capteurs sismiques proprement dit, hein, ce qu'on appelle le cœur de l'instrument, qui a été fabriqué par Soderne. Donc vous avez ici sur la gauche, pardon, hop, on peut revenir en arrière, voilà. Sur la gauche de l'instrument, donc vous avez un des capteurs sismiques, qu'on appelle dans notre jargon les capteurs VBB, pour capteur Very Broad Band, très large bande. Et sur la droite, vous avez une image des trois capteurs intégrés dans leur sphère de vol. Donc c'est-à-dire dans leur enceinte en titane protectrice, avant qu'on la ferme de manière hermétique. Donc effectivement, Annick a présenté quelques-unes des contraintes hein, inhérentes à l'instrument, hein, la tenue aux environnements, aux chocs, etc. Et évidemment, les capteurs avaient leurs propres contraintes. Hein, donc il faut savoir, pour donner une ordre d'idée de la performance, que ces capteurs sont en mesure de détecter des déplacements de l'ordre d'un atome d'hydrogène. Donc c'est des déplacements extrêmement fins. Ils sont constitués d'environ chacun 200 pièces hautement miniaturisées, intégrées dans un volume de la taille d'une orange. Hein. On pourrait dire que ce serait une véritable cathédrale de technologie. Et donc chacun de ces capteurs comporte également, donc c'est un pendule qui est très finement équilibré pour résonner au mouvement du sol martien. Et chacun de ces capteurs donc, comporte deux micro-mécanismes très très précis, un qui permet donc de compenser les variations de température vues sur le sol martien. Donc il faut savoir que comme l'atmosphère est très ténue, les variations de température journalières peuvent atteindre 50 degrés sur Mars. Et il y a un deuxième mécanisme qui permet de trouver le point de fonctionnement idéal à tout moment de l'année martienne. Donc on ne le voit pas très bien, il est un petit peu masqué. Mais il permet de faire des déplacements de l'ordre du millième du diamètre d'un cheveu. Donc ce sont vraiment des pièces extrêmement précises. La pièce la plus petite usinée par Soderne, c'est quelle taille à peu près, pour qu'on ait une idée? C'est difficile à dire, là j'ai pas l'ordre de grandeur, mais c'est vraiment des pièces de l'ordre du millimètre, quoi. C'est cet ordre de grandeur. Incroyable. Ouais. Et donc mais ça s'apparente à de l'horlogerie suisse, quoi, mais fait chez Soderne. Absolument. Voilà. Et donc voilà, donc ça, il est vrai que voilà, concilier la miniaturisation, la haute miniaturisation de cette pièce due aux contraintes de volume et de masse rappelées par Annick et la tenue aux environnements a été un vrai défi. Il faut que tout ça tienne, donc des températures jusqu'à moins 105 degrés, des chocs, des vibrations jusqu'à 100 G, donc 100 fois la masse de chaque pièce doit être supportée hein, pour schématiser. Donc tout ça, pour les ingénieurs, a été vraiment un défi énorme. Mais bon, c'était aussi un défi pour les techniciens. Vous voyez, la miniaturisation de tout ça, encore une fois. Il faut avoir vraiment des doigts de fée pour manipuler tout ça. Et pour prendre quelques exemples des défis qui ont été relevés, les fils de cuivre qu'on voit sur la photo de gauche, ils font la taille d'un fil de couture. Il y en a plus de 40 par capteur. Il faut les router très minutieusement. Donc ça demande vraiment d'avoir des mains de fée et une patience extraordinaire. Et puis, autre exemple sur la photo de droite, donc vous voyez la haute compacité de l'ensemble intégré. Donc là, au moment où on fait ça, les techniciens ont entre les mains des capteurs qui nécessitent chacun plus d'un an d'assemblage et de mise au point. Il faut aller les intégrer dans une sphère de la taille d'une cocotte. Hein, vous pouvez voir ici la maquette. Et donc, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et là, il y a très, très peu de gens au monde qui peuvent faire ça. Donc vraiment... on les salue, hein, tous ces gens-là.
C'est même exceptionnel, en fait. Ils ont, on était à Soderne pour le lancement, en fait, de la fusée et de la sonde InSight. On voyait bien la ferveur de ces ingénieurs, ces techniciens, ces techniciennes qui ont parfois travaillé même le week-end, qui ont pas pris, qui ont sacrifié leurs vacances parce que, comme l'a rappelé Philippe Laudet, il fallait être à l'heure parce que les Américains nous ont demandé de livrer à l'heure le matériel. Bah alors absolument. Alors tu me spoiles complètement le chapitre d'après. Ah pardon. Tac. Mais c'est pas grave. Mais on peut le dire deux fois. Hein. Bah on peut répéter. Il faut le souligner quand même, c'est important, absolument. Donc voilà, alors tout ça n'aurait pas été possible, bien sûr, sans un vrai travail d'équipe, hein, pas seulement chez Soderne, mais aussi pour tous les partenaires. C'est ce qu'a soulevé Philippe. Donc l'IPGP en premier lieu, hein, qui était au cœur de la conception, qui a porté le projet depuis le début, et bien sûr le CNES, qui était maître d'œuvre et qui a encadré tout ça de main de maître. Hein. D'ailleurs, je vais laisser la parole à Annick, je crois, pour la suite. Merci Antoine. Donc là, je vais vous parler un peu plus Annick, des essais. Je vais juste faire un commentaire. Vous n'avez pas compris comment fonctionne un VBB, c'est normal. Il a fallu 5 ans pour que je comprenne vraiment. Non, parce que cette petite machine à l'intérieur, c'est très... Voilà, on dit c'est un pendule, mais bon, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui ne vibre pas, c'est très compliqué. Voilà. Alors, il y a le stand, sur le stand peut-être, de peut-être dans l'IPGP le stand pour les, voilà, ceux qui sont vraiment très techniques et qui veulent comprendre les choses. C'est vrai que c'est très sophistiqué. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc, pour les tests, en fait, là, on a parlé de la conception. On arrive maintenant, une fois que chaque partenaire a assemblé son sous-ensemble, il nous a été livré. Le CNES a assemblé le tout en début 2017 et nous avons mené une campagne de tests au second trimestre de 2017, une campagne très soutenue, 24 heures sur 24, week-end inclus. Et nous avons livré notre instrument aux Américains en juillet, à l'heure. Et nous avons mené ensuite la campagne avec l'atterrisseur à Lockheed Martin à Denver, Colorado. Sur l'écran, il y a en fait un fil conducteur, c'est les tests thermiques. C'est vraiment une contrainte majeure sur Mars. La température est particulièrement froide. Il faut vraiment que nos électroniques, nos mécanismes tiennent. Alors ici, Soderne, je reviens en arrière. Comment on vient ? Le rouge. C'est le rouge ? Là. Non. Le rouge. Voilà. Je suis sur le rouge. Voilà Soderne en premier qui intègre la sphère, celle que vous voyez représentée ici. Ensuite, on a amené cette sphère à l'IPGP dans un des laboratoires de l'IPGP à Paris avec l'équipe qui introduit cette sphère dans une petite cuve thermique pour un test thermique d'assez longue durée, de 7 à 10 jours. Et après, l'équipe NES, une fois qu'on a assemblé l'instrument, vous voyez l'équipe qui prépare le test dans une cuve, bien sûr, un petit peu plus grande. Et finalement, là-bas, à Lockheed Martin à Denver, vous voyez, c'est assez impressionnant, notre instrument au bout d'un treuil qui descend au fond d'une immense cuve thermique. Elle est vraiment exceptionnelle, cette cuve. Et on voit l'atterrisseur sur le côté droit. Et ces tests durent au CNES, c'était une vingtaine de jours, à Lockheed Martin, une dizaine de jours. Toutes les personnes que vous voyez là sont équipées de combinaisons, de pieds à la tête, gantées avec des masques, en fait, parce qu'on respecte tout ce qui est propreté bactériologique. Il est très important, sur les missions interplanétaires, de ne pas polluer les endroits où on va. Donc c'est vraiment des contraintes très drastiques. Et comme tout le monde l'a répété, mais vraiment, c'est vrai que c'est des expériences humaines, toutes ces aventures, c'est sept ans d'efforts. Ce soir, on espère vraiment qu'ils vont être concrétisés, ces efforts. Là, vous avez une partie de l'équipe CNES, on reconnaît Philippe Laudet au milieu, qui ont conçu, fabriqué et testé cet instrument. Et bien sûr, on a eu le support de nos partenaires avec les agences qui les ont financées, la NASA, avec l'équipe JPL, les Suisses qui ont fait l'Electronic Board. On n'en a pas trop parlé ce soir. L'Electronic Board, elle est en fait sous la plateforme de l'atterrisseur, très protégée et pour garder la chaleur, prendre de la chaleur à l'atterrisseur. On a nos équipes anglaises ici, qui Oxford et l'Imperial College de Londres, et l'agence allemande. Donc, comme le disait Philippe Laudet, c'est vraiment très, très enrichissant, vraiment très enrichissant pour tout le monde d'avoir travaillé dans ce contexte international et de faire une seule équipe.
Maintenant, on est parti pour les opérations. Le CNES est responsable des opérations pendant toute la durée de la mission. Et donc, on a hâte d'être aux manettes. Merci et beaucoup. Et toi, Antoine, parce qu'Antoine Antoine, aussi va aussi. Donc, juste deux introduire. Minutes. Allez, allez. Donc simplement pour saluer les équipes, hein, donc c'est vrai que pour Swadern c'était une équipe d'une vingtaine de personnes qui était mobilisée en permanence là-dessus, avec comme le relevait Gilles, un pirate là. Un pirate, oui. Et on n'a pas compté nos jours et nos week-ends lorsque c'était nécessaire. Comme le reste de l'équipe, hein, c'est vrai qu'on était complètement porté par l'enjeu d'une mission de la NASA dont on était le principal instrument. Donc on n'avait pas le droit à l'erreur, hein, clairement. Donc voilà, puis ce soir, bon, on est tous un petit peu angoissés et excités à la fois en imaginant notre Antoine, vous en avez fabriqué combien des modèles et combien livrés à la NASA? Alors, juste pour conclure. Au total, on en a fabriqué une quinzaine depuis le début de l'histoire de CEIS. Et à la NASA, on en a livré 6. Hein, donc c'est l'instrument principal et le modèle de rechange. C'est très bien. Voilà. Et donc ce soir, effectivement, on est un peu angoissé en imaginant tout ça foncer à 6 km/h vers Mars, 6 km par seconde, pardon, oui, vers Mars. 6 km seconde. Ouais. Donc on souhaite bonne chance à nos amis au JPL. Hein. Et oui, simplement, c'est vrai que je vois Sébastien qui s'apprête à prendre la parole, donc on salue également évidemment l'équipe IPGP qui était au cœur de tout ça. Voilà. Bravo, merci à tous les deux, merci Antoine, merci Annick. Bravo pour cette incroyable aventure. Alors, je vois Frédéric effectivement bien accompagné. Frédéric ? Absolument. Donc, Sébastien Brocourt, qu'on n'a pas besoin de présenter, mais quand même rappeler au père que c'est un ingénieur de l'Institut du Club de Paris et surtout chef de l'équipe technique qui a développé le sismomètre martien qui donc va se poser tout à l'heure. Alors, Sébastien, quelles sont les spécificités de ce sismomètre, et vous qui avez entièrement travaillé dessus, on raconte comme ça, en tout cas pour le grand public, c'est ça, qu'un astronaute, même sur la pointe des pieds, serait tout de suite détecté. Alors, bonjour, oui, tout à fait. Alors, quand on installe un sismomètre aussi sensible sur Terre dans une cave sismique, on ouvre la porte de la cave, on le voit sur le signal sismique. Donc, c'est extrêmement sensible. Alors, les spécificités, on peut l'aborder sous deux angles. Des sismomètres extrêmement sensibles sur Terre, il y en a plein. C'est courant dans le monde scientifique. Ouais. Maintenant, là, on le prend et on lui fait tout ce qu'on ne fait pas à un sismomètre terrestre. Effectivement, oui, c'est ça. C'est que d'habitude, sur Terre, vous prenez énormément de... On les transporte dans des balles avec sa petite mousse et tout. Il y a un homme qui va le poser délicatement sur un pilier sismique. Ouais. Et il va délicatement installer le câble, il va vérifier les données, ça ne marche pas, il revient, il le réinstalle. On bouge souvent des toutes petites, des choses infimes dans l'installation font la qualité du signal qu'on obtient. Et surtout, on met dans une cave sismique. C'est-à-dire une température extrêmement stable et plate. Et là, on fait... Nous, on fait tout l'inverse. Donc, tout le contraire, deux fois. Et oui. Au lancement, on atterrit sur Mars, on lui envoie des chocs pas possibles. Et puis ensuite, du cyclage thermique, tous les jours, ça monte et ça descend très froid. Tout ce qu'on ne fait pas à un sismomètre terrestre. Alors c'est un premier angle d'approche. Un autre angle, c'est on pourrait le regarder par rapport à ce qui se fait en instrumentation spatiale, scientifique, classique, si on peut dire classique, parce que chaque instrument est vraiment quelque chose de très spécifique. Frédéric, est-ce qu'il est possible de mieux tenir le micro? Voilà, merci beaucoup. Parfait. Dans le paysage de l'instrumentation spatiale, c'est un instrument qui est quand même relativement compliqué parce qu'il a beaucoup de mécanismes, beaucoup de parties mobiles, et on n'aime pas beaucoup ça dans le spatial. Ouais. C'est toujours des sources de beaucoup d'ennuis divers et variés. Et pour une petite anecdote, on a beaucoup travaillé avec nos collègues du JPL, et certains d'entre eux m'ont confié quand même, alors qu'ils ont de l'expérience, ils en ont fait des missions martiennes, instruments que c'était l'un des instruments les plus compliqués qu'ils avaient eu. Pas le plus, mais là, qu'ils étaient vraiment dans le top 10. Voilà. Et alors, vous avez travaillé en particulier sur les capteurs, et les capteurs vous ont donné quand même beaucoup de mal, et vous êtes arrivé à des solutions pour rendre ces capteurs hypersensibles et donc adaptés au milieu spatial, comme vous le dites. Et d'ailleurs, vous avez reçu la médaille de cristal du CNRS 2018 pour ces travaux, avant même que ces capteurs puissent être posés sur Mars. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des collègues et qui ont poussé cette récompense. Et donc, oui, j'ai été récompensé. C'est un grand plaisir de voir un peu tout le travail qui a été accompli par moi, mais aussi par toute l'équipe Bien sûr. Que j'encadrais à l'IPGP, mais...
reconnu par ça. Et puis, bon, au-delà de l'IPGP, il y a eu, si on a réussi à vraiment surmonter les défis qu'on avait autour de cet instrument, c'est parce qu'on a eu une équipe qui a fonctionné à l'IPGP, mais aussi avec Soderne, avec le CNES, avec le GPL. Et on a pu assembler un peu les compétences et les spécificités de chacune de ces institutions pour relever les défis qu'on a eu à relever. Et s'il n'y avait pas eu vraiment cet ensemble-là, on n'aurait pas eu ce succès-là. Et puis arriver à quelque chose qu'ils veulent. Et alors, mais maintenant, Sébastien, quand commencez-vous effectivement vos tâches au GPL où nous nous trouvons ? Eh bien, dans deux jours. Mercredi, on a les premières données qui arrivent avec le premier test de bonne santé sur le pont. Oui. Et là, aura-t-on résisté à l'atterrissage ? On va voir. Vous le saurez donc très vite. On va le savoir très vite. Alors, c'est un test qui est partiel. Et après, les prochaines étapes, on va passer beaucoup de temps pour déployer très prudemment l'instrument sur le sol. Donc, on passe beaucoup de temps à caractériser le contexte. Ouais. Et là, on va commencer à avoir vraiment le plein fonctionnement des sismomètres qu'un petit peu avant Noël. Et la pleine performance au début de l'année 2019. D'accord. Et sur le plan humain, racontez-nous aussi, parce que quand même à Paris et ailleurs, même nous n'avons absolument pas accès aux salles ici. Il y a énormément de sécurité au GPL. Quelle est l'atmosphère, fébrilité, excitation? Comment ça se met en place tout ça? Ah, c'est un drôle de mélange. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Hein. C'était il y a 6 ans, le dernier atterrissage sur Mars. Donc c'est pas une activité quotidienne. Donc il y a énormément d'excitation. Ça va être un grand moment. Il y a aussi un peu de nervosité. C'est quand même là où on concentre le plus de risques sur la mission. Ouais. C'est quand même assez intense. Donc quand on croise des gens qui sont derrière les consoles aux commandes, ils sont concentrés. Dans la salle, quand on croise des gens du projet qui ne sont pas aux commandes aujourd'hui, il y a cette tension entre la nervosité et la joie. Sébastien de Recours, merci infiniment pour votre intervention. Et nous allons passer la parole à François Forget qui va venir juste avec vous, mais il faut une seconde pour passer micro et casque. Alors, une petite remarque, je trouve que Sébastien a vraiment bonne mine, parce qu'il y a 2 ans, il était un peu blême quand même. C'était un passage difficile. Voilà, on est content pour lui. François, bonsoir. Bonsoir. François Forget, on n'a pas besoin de le présenter, mais enfin, comme toujours, pour les nouveaux qui s'intéressent. Extraordinaire, c'est un spécialiste du système solaire, en particulier de Mars, et surtout grand spécialiste, bien sûr, de la météorologie martienne. Même à la NASA, on parle de lui. Enfin, je ne veux pas le faire rougir, mais c'est quand même la réalité. Et vous êtes, bien sûr, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Cette mission InSight se focalise sur la sismologie. Or, on trouve une station météo. À quel titre vous avez cette station météo? Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'il y a une complémentarité qui nous échappe? Ah oui, finalement, on peut dire qu'il y a 3 bonnes raisons. La première, évidemment, c'est que si le sismomètre, même protégé par sa cloche, subit des rafales de vent, par exemple, ouais. Eh bien, ce serait intéressant de le savoir. Il ne faudrait pas qu'on décide qu'il y a un séisme très étrange, en fait, qui est dû au fait que la cloche est un petit peu secouée, un tout petit peu, mais c'est tellement sensible que ça pourrait être un problème. La deuxième raison, c'est que la météo, le vent, les tornades de poussière, par exemple, peuvent aussi déclencher des signaux sismiques, mais des vrais, à travers le sol. Et donc là, il y a un intérêt scientifique pour la sismologie, caractériser le terrain local lié à l'activité météo locale, voire globale. Bon, là, on ne mesurera pas avec InSight, puisque ça fait une espèce de hum, on dit, une vibration. Oui. Et donc, l'atmosphère a un intérêt, provoque un signal sismologique. Et la troisième raison, qui à mes yeux est quand même une bonne raison, c'est que tout simplement, SAIS va être une excellente station géophysique, bien sûr, mais aussi station météo, avec des capteurs de vent, de pression, température, etc. C'est très intéressant. Il y a une bonne science à faire depuis la surface avec un tel engin. Donc pour nous, c'est très, très, très agréable, parce que comme ce n'est pas l'objectif principal de la mission, eh ben, on se retrouve une petite équipe scientifique. Oui. On a l'impression d'avoir une station météo privée pour nous sur Mars, et c'est un luxe formidable. Alors, non seulement, comme vous le dites, c'est très utile pour les gens qui font de la sismologie, mais c'est aussi quelque chose qui est assez étonnant, c'est que dès les deux premières sondes Viking, en 1976, il y avait déjà des stations météo. Si on fait le compte, en 42 ans, est-ce que les instruments ont évolué et est-ce qu'on a appris beaucoup au niveau de la météo martienne? Alors, oui.
on a beaucoup appris. En fait, essentiellement grâce à des satellites en orbite. Depuis l'orbite, on avait eu des sondeurs météorologiques et qui ont révolutionné, bien évidemment, notre compréhension de l'atmosphère martienne. On a appris beaucoup de choses. Mais bizarrement, il n'y a pas eu beaucoup de mesures à la surface pour compléter ça. Et donc là, c'est finalement très intéressant d'avoir une nouvelle station météo qui va mesurer bêtement, hein, pression, encore une fois, pression, température, vent à la surface. Oui. Il y a eu quelques autres mesures depuis Viking, mais souvent elles étaient courtes ou alors, en fait, pas très, les missions n'étaient pas faites pour cela. C'est ça, là, les rovers ne sont pas forcément les choses les plus pratiques. Par exemple, les rovers Spirit Opportunity n'étaient pas équipés de capteurs météo, ou pas, en tout cas pas basiques, comme je dis, de pression, par exemple. Curiosity était pas mal équipé, mais il se déplace, puis il a une grosse source de chaleur avec une centrale nucléaire à l'arrière, donc ça pose problème. Et finalement, depuis Viking, on peut dire que InSight va être certainement, si tout se passe bien, la meilleure station météo que l'on va avoir, qui ne va pas bouger, qui va être sur un... Voilà. Parfois ça coupe. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On relance ou on essaiera de revoir plus tard? Oui, on va relancer un peu plus tard. On va passer, on va poursuivre. Je voudrais juste faire une petite digression, parce que ça n'a pas été dit. Mais François Forget est donc le LMD et François Forget a repris un outil qui est un modèle de climatologie globale issu de la Terre, qui sont des énormes modèles qui tournent sur des très gros calculateurs. Et ces modèles au LMD ont été appliqués d'abord à Mars, puis à Vénus, puis à Titan. Et maintenant, d'ailleurs, ça a valu à François Forget de rentrer récemment à l'Académie des sciences. À l'Académie des sciences, voilà. Donc c'est un chercheur d'exception qui est d'ailleurs sollicité par toutes les agences spatiales dans le monde qui souhaitent faire rentrer sur Mars Sonde spatiale. Parce que François Forget a développé la Mars Climate Database, c'est-à-dire une base de données sur le climat de Mars, et qui est utilisée autant par les scientifiques qui s'intéressent à la météo et au climat de Mars, mais aussi par les ingénieurs qui veulent faire rentrer des sondes dans l'atmosphère de Mars. Donc c'est un côté dual entre l'aspect technique et l'aspect scientifique. Alors, poursuivons. Applaudissez Chloé Michaud, qui est professeure à l'École normale supérieure de Lyon et à l'Université de Lyon 1, et qui va nous expliquer justement quels sont les autres objectifs scientifiques d'InSight. Voilà, alors on a beaucoup parlé de SAIS, bien sûr. Moi, je vais vous parler un petit peu plus du deuxième instrument de cette mission. Vous en avez entendu parler, on l'appelle HP-Cube pour Heat Flow and Physical Properties Package, mais on l'appelle plus communément la taupe. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce petit instrument, cet instrument a été conçu par l'Agence spatiale allemande, le DLR, et l'investigateur principal de cet instrument, c'est Tilman Spohn, du DLR. Donc cet instrument, c'est un petit peu comme un thermomètre planétaire. Il va prendre la température interne de Mars. Alors vous savez que les planètes telluriques et Mars, l'intérieur de ces planètes est chaud. Les planètes sont chaudes parce qu'elles ont accumulé une grande quantité de chaleur lors de leur formation par accrétion de corps rocheux. Et elles sont chaudes aussi parce qu'elles produisent de la chaleur par désintégration radioactive de certains éléments comme l'uranium, le thorium ou le potassium. Et donc c'est cette chaleur interne conduit à des mouvements. Le matériel qui est chauffé en profondeur tend à s'expandre, à devenir plus léger, à remonter, alors que le matériel qui est refroidi plus en surface va se contracter, devenir plus dense et redescendre dans les entrailles de Mars. Alors ces mouvements qu'on appelle des mouvements de convection, sur la Terre, ils conduisent à la tectonique des plaques. Mais comme on vous l'a dit, il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars. On n'observe pas d'alignement de volcans le long de limites de plaques. Par contre, on observe des grands volcans, des volcans gigantesques. Vous en voyez les trois petits boutons, là, vous voyez sur Mars. Ce sont des volcans. Alors, Olympus Mons fait plus de 20 km de haut. Ces volcans se sont formés à l'aplomb des grands panaches de matériel chaud remontant depuis les entrailles de Mars. Alors, la mesure que va réaliser la taupe va nous donner un point d'ancrage pour comprendre l'évolution thermique de la planète, pour comprendre comment la température de Mars a évolué depuis son origine. Et cela va nous permettre de remonter aux origines de Mars. Cela va nous permettre de comprendre pourquoi la planète présente une surface très vieille, très cratérisée. Et ça va nous permettre aussi
de comprendre comment ces grands volcans se sont formés sur plusieurs milliards d'années à l'aplomb de ces grands panaches. Alors concrètement, cette sonde que vous voyez ici, qui fait 40 cm de longueur, elle va mesurer en fait la quantité de chaleur qui s'échappe aujourd'hui des entrailles de Mars. Et pour ce faire, elle doit mesurer deux quantités. La première, c'est comment la température augmente avec la profondeur dans le sous-sol martien. Et la deuxième quantité, c'est comment les roches du sous-sol martien vont évacuer la chaleur. Quelle est la conductivité thermique de ces roches ? Alors pour faire ça, cette sonde, elle va pénétrer dans le sous-sol martien. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la taupe. Elle a un système mécanique d'automartelage qui va lui permettre de pénétrer jusqu'à 5 mètres de profondeur. C'est la première fois qu'on va aller si profond sur une planète tellurique. Donc on peut s'enfoncer si profondément grâce à un simple système d'automartelage parce que le sous-sol martien est très poreux, très friable, très meuble. Il a été bombardé par des impacts météoritiques pendant plusieurs milliards d'années. Et donc on va atteindre 5 mètres de profondeur, on l'espère, et cette petite sonde, la taupe, va tirer derrière elle un câble qui contient des capteurs thermiques. Et ces câbles vont mesurer, ces capteurs thermiques vont mesurer la température sur ces 5 mètres de profondeur sur toute la durée de la mission, pendant ces 2 ans. Donc ça va nous donner l'augmentation de température avec la profondeur. La conductivité, on va la mesurer lors de la phase de pénétration de cette taupe dans le sous-sol. Alors, lors de la phase de pénétration, la taupe va effectuer plusieurs cycles où elle va pénétrer sur 50 cm, libérer une quantité de chaleur connue et puis mesurer l'évolution de la température suite à la libération de cette quantité de chaleur, et ce pendant 2 jours. Et ça va nous permettre de remonter à la conductivité thermique. Donc le produit de ces deux quantités va nous donner le flux de chaleur à la surface de Mars, c'est-à-dire la quantité de chaleur libérée par la planète, par les entrailles de Mars, au niveau du site d'atterrissage. Alors bien sûr, ça va être une mesure locale au niveau du site d'atterrissage, vous le voyez ici, dans les plaines d'Elysium. Et bien sûr, on s'attend à ce que cette mesure varie sur la surface de la planète. En particulier, la croûte des planètes telluriques est formée par magmatisme et le magma concentre les éléments radioactifs lorsqu'ils se forment. Les éléments radioactifs ont tendance à aller dans le liquide lors d'une phase de fusion et à former la croûte des planètes telluriques. Donc la croûte des planètes est sans doute plus concentrée en éléments radioactifs que le manteau. Alors on s'attend à ce que dans les parties de croûte épaisse, on ait plus d'éléments radioactifs, plus de production de chaleur et donc un flux de chaleur plus élevé. Or, vous le voyez ici, Mars montre 2 hémisphères très différents. Un hémisphère sud qui est beaucoup plus haut en altitude par rapport à l'hémisphère nord. Il est en moyenne 6 km plus haut que l'hémisphère nord. Et ça, c'est vraisemblablement dû à des différences d'épaisseur de croûte entre le sud et le nord, avec une croûte peut-être plus épaisse dans le sud que dans le nord, un petit peu comme dans les chaînes de montagnes sur Terre. Alors comment extrapoler cette mesure de flux de chaleur à l'ensemble de la planète ? Eh bien, c'est là que l'instrument SAIS va être crucial. On va s'appuyer sur les informations qui nous seront données par SAIS pour extrapoler cette mesure. En effet, SAIS va nous permettre de remonter à la structure fine de la croûte sous la station sismique. Et donc, ça va nous permettre d'interpréter cette mesure de flux de chaleur de manière fine. Mais SAIS va aussi nous donner une estimation de l'épaisseur globale de la croûte. Et ça va nous permettre d'extrapoler cette mesure de flux de chaleur de manière globale à toute la planète. Donc voilà, 2 instruments, 2 outils et une mission pour remonter aux origines de Mars. Merci. Bravo. Bravo, Chloé. Merci beaucoup. C'est très clair. Alors, je vois que... J'ai une question quand même, parce que l'INSA a été posée juste à la frontière, donc à la dichotomie. Oui. Est-ce que le sismo va pouvoir faire des mesures particulières du fait de cette position ? Alors, on espère avoir des variations 3D d'épaisseur de croûte, c'est ça qu'on va essayer de voir, hein, pour voir si on a en effet une topographie de l'interface entre la croûte et le manteau
qui varie, qui devient de plus en plus profonde vers l'hémisphère sud. Pour expliquer, en fait, juste pour revenir en arrière une seconde, pour expliquer ce dont on parle, c'est que la dichotomie, c'est cette zone tampon entre les hauts plateaux du sud, cratérisés et vieux, et les basses plaines du nord, qu'on voit ici en bleu, qui sont resurfacées, très peu cratérisées et a priori, entre guillemets, plus jeunes. Cette zone tampon, elle est de quelques centaines de kilomètres maximum, et c'est précisément par là qu'il s'est passé des choses intéressantes aussi, et que InSight va explorer. Donc c'est une zone particulière de la géographie martienne. C'est là que l'eau est passée, oui. Et c'est peut-être là qu'il y a eu un palo au rivage, c'est peut-être là que l'eau ou bien d'autres fluides sont passés à une époque lointaine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on retrouve nos amis. François, faisons court parce que, évidemment, le temps passe. Absolument. François, juste en tout cas, il y a beaucoup d'impatience dans les équipes d'InSight. Quand espérez-vous avoir les premières données alors qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui vont devoir passer d'abord sur tous ces instruments pour valider leur fonctionnement? Oui, alors pour ce qui est des sciences de l'atmosphère, on a beaucoup de chance parce que c'est vrai que le sismomètre va devoir être déployé, même si on va le tester très très prochainement. Mais nous, on va commencer normalement à avoir des premières données de pression, normalement après-demain, et puis le lendemain encore, des premières données de vent. On va regarder ça avec nos collègues espagnols, etc. Et donc, ça va être une... Dès la semaine prochaine, etc., ça va être une belle aventure et on va rester là, on va se relayer avec Emery Spiga qui est là tout de suite à la Villette, qui a présenté tout à l'heure. On va se relayer pendant le premier mois, là, ça va être une aventure formidable et puis on va vérifier que tous ces capteurs fonctionnent bien. Alors bon, si tout se passe bien, j'avoue que personnellement, j'ai vécu beaucoup de missions qui ont subi des échecs et je fais partie, je crois, des gens très stressés aujourd'hui parce que c'est très dangereux, très difficile d'atterrir sur Mars. Et donc, j'espère que tout va bien se passer. Mais en tout cas, François, on compte sur vos bulletins météo très vite de la météo martienne un peu froide. Merci. Merci à tous les deux. À très bientôt. Alors justement, on va revenir aussi pourquoi explorer Mars. Vous pouvez applaudir Cathy Quentin, pardon, qui est également professeure à Lyon 1 et chercheur au CNRS et au laboratoire de géologie de Lyon. Et à l'École normale supérieure de Lyon. Alors pourquoi finalement explorer Mars ? Pourquoi explorer Mars ? D'abord, oui, sans conteste, Mars, c'est vraiment la planète qu'on a de loin le plus explorée. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais d'abord, quelques paramètres clés pour bien comprendre pourquoi on s'intéresse tant à cette planète. D'abord, pour sa carte d'identité, Mars est la quatrième planète du système solaire. Ça veut dire qu'elle est un petit peu plus loin du Soleil que nous. Paramètre très important, elle est deux fois plus petite que la Terre. Et ça peut avoir joué un grand rôle dans son évolution. Et c'est notamment une des grandes questions qu'essaiera de comprendre InSight sur son évolution interne, qui est peut-être due à son diamètre qui est plus petit. Et autre paramètre, c'est que son atmosphère est extrêmement fine, beaucoup plus fine que la Terre, ce qui fait que le poids de la colonne d'air sur Mars ne permet pas aujourd'hui que l'eau soit liquide à la surface de Mars. Ce qui fait que, combiné avec la température qui est d'environ moins 70 degrés en moyenne, Mars est une planète, aujourd'hui en tout cas, pas très hospitalière. Mais Mars se trouve dans la zone dite habitable du système solaire. Alors qu'est-ce qu'on entend par zone habitable ? C'est une zone théorique qui a une distance idéale d'une étoile, pas trop près, pas trop loin, et la Terre est pile au centre de cette zone habitable du Soleil. Et ce qu'on entend par habitable, c'est que d'un point de vue théorique, l'eau liquide pourrait être stable. Alors en fait, l'eau liquide, si elle n'est pas stable aujourd'hui sur Mars, et on voit aussi que Mars, donc, si la Terre est en plein milieu de cette zone habitable, Mars est à sa bordure. Donc il pourrait y avoir, dans les temps anciens de Mars, les possibilités que l'eau ait pu être liquide. Et justement, ces temps très anciens, notamment avant 3 milliards d'années, c'est le moment où sur Terre apparaissait la vie. Mais les roches qui datent de ces périodes très 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 anciennes, tout au début de l'évolution d'une planète tellurique, sont extrêmement rares sur Terre. Le planisphère du haut montre en rouge les roches de plus de 3 milliards d'années sur Terre. Vous voyez qu'elles sont extrêmement rares et en plus ce sont des roches extrêmement modifiées. Alors que sur Mars, en fait, les roches de plus de 3 milliards d'années, c'est ce qui est en dessous, c'est quasiment la majeure partie de la planète. Alors en fait, aller explorer Mars, c'est explorer nos origines. Voilà une des raisons pour lesquelles on s'intéresse tant à
cette planète. Et alors, on a envoyé beaucoup de missions. Ici, j'ai mis celles qui ont réussi. Si j'avais mis toutes les missions qui avaient été envoyées, il y en aurait beaucoup plus du double, beaucoup, beaucoup plus. Donc, il y a eu beaucoup d'échecs pour arriver à ces succès. Mais on va dire que quand même, on a des succès depuis 47 ans sur Mars, entre le premier survol par Mariner 9 et puis tout récemment la mission ESA TGO, Trace-Gas Orbiter, donc a mis un satellite en orbite autour de Mars. Mariner qui 9, était c'est le premier orbiteur. Premier orbiteur. Donc on explore la planète à la fois par des orbiteurs, donc des satellites qui sont autour de Mars, mais aussi par des atterrisseurs ou des rovers. Et donc la NASA a évidemment envoyé et réussi beaucoup de mises en orbite de satellites et d'engins au sol, d'ailleurs la totalité des engins au sol, mais l'ESA a réussi deux fois à envoyer, à mettre en orbite des orbiteurs, Mars Express en 2003 et donc récemment TGO. Et puis au sol, il y a eu plusieurs atterrisseurs, le dernier en date était Curiosity, on espère vraiment qu'InSight sera le prochain, sera le suivant. Et ce qu'il faut essayer, je voulais vous mettre une petite rétrospective. On va essayer de se remettre dans l'imaginaire populaire des années 70. On ne connaissait strictement rien à la planète Mars. On avait même, dans les années 50, c'est là que sortait Chronique martienne de Bradbury. Et on avait cette idée d'une civilisation martienne. Et même au niveau scientifique, on voyait depuis la Terre des variations saisonnières de Mars. Et on se demandait si ce n'était pas dû à des cycles de végétation. Donc c'était vraiment notre idée, nous, humains, de l'histoire de la planète Mars. Et c'est avec les missions Viking, donc envoyées par la NASA, deux orbiteurs et deux atterrisseurs, qu'on va vraiment comprendre la première chose sur Mars. Et ce qu'on voit surtout, ce qu'on voit quand Viking atterrit, ça a fait la une de Paris Match, c'est que Mars est une planète désertique qui est stérile à plusieurs titres, parce que justement la pression atmosphérique est extrêmement faible, et la température est très froide, ce qui exclut l'eau liquide d'être stable. En plus, le champ magnétique, il n'y a plus de champ magnétique, la surface est irradiée et en plus le sol est très oxydant. Donc ça va annihiler pendant 20 ans l'exploration martienne. Mais pendant ces 20 années, on commence à analyser petit à petit toutes les images qui ont été prises par les satellites en orbite et qui commencent à dévoiler que peut-être, certes aujourd'hui la planète n'est pas hospitalière, mais peut-être qu'elle aurait pu être différente dans le passé. Et là ça va ouvrir une décennie d'exploration, donc moins 20 ans après, entre 1997 et 2007, une décennie d'exploration exceptionnelle avec quatre orbiteurs et un petit atterrisseur, Sojourner, et puis surtout deux qui sont très connus, Spirit et Opportunity, des petits rovers américains. Mais alors pour faire cocorico, je voudrais quand même mettre la lumière sur la mission Mars Express de l'Agence spatiale européenne, puisqu'il y avait plusieurs instruments français, dont un spectromètre infrarouge, Omega, qui est un savoir-faire français. Et les spectromètres ont comme propriété d'aller analyser la lumière qui se réfléchit à la surface d'une planète, et la lumière est modifiée en fonction de la composition de la roche, ce qui permet de revenir à la composition de la roche. Et on a pu comme ça montrer que les roches avaient été modifiées par l'action de l'eau liquide. Et ça a totalement révolutionné notre vision de la planète Mars. Et à côté de cette mesure de la composition des roches, on a aussi vu que le relief avait été très marqué aussi par l'action de l'eau liquide. Vous avez un exemple au milieu, ici, là, que j'ai mis, où on voit une vallée à l'embouchure de laquelle on voit un très joli delta. Ça, c'est issu d'un processus lié à l'eau liquide qui a déposé un delta ici dans un ancien lac. Et ce qui est coloré en couleur, c'est les minéraux qui ont de l'eau dans leur structure, donc qui étaient formés par l'action de l'eau. Donc la moisson exceptionnelle de ces décennies d'exploration a montré que dans le passé très ancien de Mars, l'eau liquide était probablement suffisamment stable à la surface pour modifier les roches et modifier le relief. Donc on se demande si la planète n'a pas évolué en une planète avec beaucoup d'eau liquide, pas beaucoup, on ne sait pas, en tout cas avec de l'eau liquide, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment d'ailleurs ça a évolué, à une planète froide et sèche aujourd'hui. Alors où on en est actuellement de l'exploration? Donc on a vu qu'il y avait de l'eau, et notre décennie d'exploration, c'est de répondre, savoir si la planète a été habitable. L'eau liquide, c'est bien, c'est le dénominateur commun de toute forme de vie que l'on connaît, y compris les plus extrêmes, mais cela est-il suffisant? Est-ce que la chimie était propice à des environnements habitables? Donc c'est ce qu'est allé vérifier Curiosity, dont vous avez forcément entendu parler, et qui a évidemment montré que là où il a atterri, dans le cratère Gale, effectivement, la planète était, il y a 3,5 milliards d'années, un endroit habitable dans un lac. Et InSight, qui sera le point d'orgue de cette décennie d'exploration, quelque part aussi va répondre à cette question sur l'habitabilité, parce qu'il va nous aider à nous comprendre l'évolution de la planète depuis ses conditions habitables jusqu'à aujourd'hui.
Et alors, what next? Alors, la suite, c'est qu'on va passer le stade d'après. On a vu que la planète était habitable. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est si elle a été habitée. Et pour ça, il y a deux missions qui seront envoyées en 2020. La mission ExoMars, qui est partenariat Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale russe Roscosmos. Et Mars 2020, une mission américaine. Et alors, ces deux rovers ont le même objectif, trouver des traces de vie fossiles, des traces de vie anciennes dans les terrains anciens. Et alors, si vous vous intéressez un peu, par exemple, à la paléontologie, finalement, l'enregistrement dans les roches de traces de vie est quelque chose de rare et d'exceptionnel. Donc, il faut trouver des endroits où envoyer ces mini-laboratoires avec des instruments extraordinaires pour détecter la matière organique. Il faut les envoyer dans des endroits où, un, on est sûr que la vie a pu exister, et que si elle a existé, elle a pu être conservée dans des roches. Donc là, tout récemment, le mois dernier, ces deux missions ont choisi leur site d'atterrissage. Et pour ces deux missions, les sites d'atterrissage sont des endroits où l'eau liquide a joué un rôle et où l'environnement était propice à la conservation de vie s'il y a eu la vie sur Mars. Les deux spécificités de ces deux rovers, c'est que ExoMars, donc le rover européen, va forer à moins de mètres sous la surface, ce qui permettrait d'avoir des échantillons non exposés au bombardement cosmique qui pourrait détruire la matière organique, et que Mars 2020, en plus d'explorer la planète, va essayer de récolter des échantillons qui seront peut-être ramenés, on l'espère, plus tard sur Terre, mais Violaine nous en parlera plus en détail. En tout cas, pour la suite et pour vraiment la perspective plus lointaine, c'est l'exploration de l'homme sur Mars. C'est clairement la frontière qu'a mis les États-Unis des 50 prochaines années d'exploration. Et il y a plusieurs préalables à ça. D'abord, d'être capable d'aller rechercher des échantillons et de les ramener sans casse. Et après seulement, on essaiera d'envoyer des hommes. Mais aussi, ça pose des questions de ressources. Il faut une mission qui dure, que les astronautes survivent au moins plus de 2 ans, qu'on retrouve des ressources en eau et en oxygène sur place, etc. Donc ce sera encore un autre volet de l'exploration martienne. Bravo, merci beaucoup. Merci Cathy. Merci Cathy. Alors, nous allons marquer en fait maintenant une discussion. Je vais avoir le privilège d'accueillir ici même sur ces fauteuils le président Jean-Yves Le Gall, donc le président du Centre national d'études spatiales, que vous pouvez applaudir, Antoine Petit, le président du CNRS, que vous pouvez applaudir, Franck Poirier, le PDG de Soderne, que vous pouvez applaudir, et le directeur de l'Institut de physique du Globe, Marc Chaussidon, que vous pouvez applaudir également. Merci messieurs pour participer à cette table ronde. Alors tenez, je vous équipe tout de suite d'un micro chacun. Voilà. Et alors j'ai préparé quelques questions. D'abord, merci pour votre soutien sans faille, évidemment. Merci pour... on félicite toujours les équipes qui travaillent à cette incroyable mission. Et donc la première question, en fait, va s'adresser à Jean-Yves Le Gall. Quelle est la place de la France aujourd'hui dans l'exploration spatiale? Et on l'a vu, il y a beaucoup de relations internationales, mais quel est le statut aujourd'hui de notre pays? Je crois que c'est un statut tout à fait enviable et important parce que nous avons une communauté scientifique, on en a eu la démonstration lors des présentations qui ont été faites, extraordinairement active, et ce qui fait que nous jouons un rôle important, bien sûr, dans les programmes européens. Yann Werner nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, et la France, bien sûr, est un contributeur majeur des programmes européens, à la fois pour le développement des sondes à travers notre contribution au programme obligatoire, et puis les instruments fabriqués par les scientifiques et les industriels. Nous avons aussi des coopérations en bilatéral, et bien sûr, les coopérations martiennes sont les plus emblématiques, puisque on l'a dit tout à l'heure, sur Curiosity, il y a deux instruments, CAMCAM et SAM, dans lesquels la France a joué un rôle important. On avait une coopération sur MAVEN, et puis là, donc, InSight, sans parler de mars 2020 qui arrive. Donc on a quand même le sentiment que finalement, les
Français sont souvent appelés, peut-être pas en renfort, mais en tout cas, on n'oublie pas la France quand il s'agit d'explorer Mars notamment et le reste du système solaire. On n'oublie pas et on l'oublie d'autant moins que ces instruments qui sont embarqués sur les sondes, ce n'est pas une décision de gré à gré. La compétition est ouverte, c'est une compétition internationale extrêmement serrée, extrêmement ouverte, et les instruments que nous proposons, eh bien, du fait de la qualité de nos scientifiques, gagnent toujours les compétitions. Donc sur InSight, on était en compétition avec d'autres propositions au niveau mondial, sur Mars 2020, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une compétition, et les Américains prennent ce qu'il y a de mieux au niveau mondial, et je crois que la sanction quand même d'être retenue pour une mission aussi importante qu'InSight par la NASA, ça montre la qualité de nos scientifiques. Alors Franck Poirier, le grand public découvre Soderne parce que c'est une entreprise très discrète, mais on voit qu'elle est d'un savoir-faire, d'une technicité. D'abord, ce n'est pas une récente entreprise, hein, ce n'est pas une start-up. C'est incroyable, c'est fantastique d'être là, d'être un industriel. Oui, tout à fait. Donc Soderne, c'est une entreprise qui réunit aujourd'hui 450 personnes. Donc c'est petit et moyen aussi. Et ça bouillonne d'intelligence. Voilà, il y a donc un savoir-faire incroyable dans le milieu spatial, scientifique, mais aussi militaire. Le spatial, c'est aussi la défense. Le CNES est impliqué, évidemment, pour la France. Mais donc Soderne travaille également sur ces sujets-là. Et puis, on est présent aussi, Soderne est présent sur Pharao, par exemple. Alors, on va donc parler de Pharao. C'est aussi une horloge atomique d'extrême précision, avec comme maître d'œuvre le CNES, une fois de plus. Nous avons fait deux éléments essentiels de cette horloge. Nous attendons son lancement. Il a encore une fois, nous avons titillé l'extrême de l'état de l'art, même au-delà. Voilà. Donc c'est incroyable aussi de voir ce savoir-faire jusqu'au bout en fait de nos connaissances, de nos connaissances scientifiques et techniques pour amener de la très haute précision. Et la précision de cette horloge, c'est 45 secondes d'imprécision après le Big Bang de 14,5 milliards d'années. Donc c'est imprécis à 45 secondes, à 14 milliards d'années. Très bien. Alors Antoine Petit, vous êtes président du CNRS. Le CNRS, c'est évidemment un peu le cœur. C'est une organisation très particulière parce que ce n'est pas comme cela dans les autres pays, en Italie par exemple ou aux États-Unis. L'organisation de la recherche scientifique n'est pas du tout façonnée comme la nôtre. Le CNRS, ce sont des milliers de chercheurs, des milliers d'ingénieurs. On va voir tout à l'heure quelques ingénieurs aussi qui sont délégués dans certains labos de recherche ou dans les universités. Donc là, c'est pareil. Il y a une collaboration internationale. C'est assez réjouissant, en fait. Alors oui, d'abord, ce sont effectivement le CNRS, des milliers de chercheurs, des milliers d'ingénieurs. Ils ne se consacrent pas tous à InSight, quand même. Non. Donc, on a quand même plusieurs centaines de chercheurs et d'ingénieurs qui effectivement participent à tous ces travaux autour de la conquête spatiale au sens large, à la fois des gens du CNRS, mais aussi de l'IPGP, de l'université. Et je crois que cette fabuleuse expérience, c'est aussi un travail collectif avec le CNES, avec Soderne. Et c'est vraiment l'équipe France qui a gagné, comme l'a dit Jean-Yves. On ne nous a pas pris parce qu'on était simplement gentils, on nous a pris parce qu'on était les meilleurs au niveau international. Et je crois que ça, c'est tout à fait réjouissant pour la qualité de la recherche française. Là, on a une expérience où on a été choisi par la NASA. Jean-Yves pourrait nous parler d'autres expériences dans lesquelles on a été choisi par les Chinois. Et je crois que vraiment, ça démontre la qualité de la recherche française. Et c'est vraiment un succès dont on peut être collectivement fier. Et le CNRS est évidemment très heureux d'avoir apporté une contribution tout à fait significative via à la fois ses scientifiques, mais aussi ses ingénieurs, à ce formidable projet. Alors, en complément des sciences, il y a quand même un aspect, on le verra tout à l'heure, mais il y a un aspect très important. D'ailleurs, nous avons ici des jeunes collégiens parmi nous, très attentifs et passionnés. Il y a un rôle très important, aussi bien d'ailleurs pour le CNES que pour le CNRS, c'est celui de l'éducation appliquée. Absolument. Donc, vous savez que parfois, la science, en ce moment, elle est parfois un peu remise en cause. Heureusement, il y a des gens qui croient en la science et l'aspect éducation est absolument fondamental. Et c'est vrai que l'espace fascine tout le monde, en particulier les enfants, et que ça devient un terrain de jeu grâce à ce qu'on appelle les nanosatellites. Alors les nanosatellites, en fait, c'est des petits satellites, hein, c'est pas des satellites d'une taille du nanomètre, mais ça permet de faire des expériences tout à fait significatives. C'est une forme de main à la pâte, si on peut dire, dans le domaine de l'espace. Et ce sont des expériences auxquelles les chercheurs du CNRS, mais aussi de ses partenaires,
participent grandement. Et c'est vraiment une bonne façon. Et je suis très heureux de voir que toutes les futurs scientifiques et ingénieurs sont là en puissance. C'est une très bonne façon de les sensibiliser à la science et de leur faire toucher du doigt ce qu'après, ils pourront éventuellement faire s'ils se destinent à ce type de carrière. Voilà, la Cité des sciences, c'est aussi pour susciter des vocations. Donc voilà, on salue le Collège de la Norville et Laure Harel, leur professeur, qui sont des fans de l'espace. Alors revenons, Marc Chaussidon, revenons sur la mission InSight et sur cette planète Mars, qui est une planète sœur, qui nous intrigue toujours autant. On voit que l'IPGP eh bien, sort de ses frontières terrestres. Ce n'est pas nouveau. Il y a des grands scientifiques historiquement à l'IPGP qui ont étudié la Lune ou qui ont étudié les autres corps. Là, on fait le focus sur Mars. C'est quand même pas fréquent qu'un géophysicien se transporte comme ça. Je vais répondre à cette question. Avant, je vais en profiter pour dire publiquement mon admiration pour Philippe Lognonnet, pour Sébastien de Rocourt, pour leur équipe technique et scientifique, pour toute l'ingéniosité qu'ils ont mise en œuvre pour concevoir ces instruments. Et puis aussi un peu, bon, Philippe comprendra, pour sa ténacité face à certains collègues qui pouvaient de temps en temps être sceptiques vis-à-vis de ce qu'ils faisaient. Alors oui, Mars est... une grande question, ça a été dit plusieurs fois, je ne vais pas répéter ce qui a été dit exactement, mais Mars et la Terre sont très, très semblables et évidemment ont une évolution géologique très différente et c'est un grand mystère de savoir pourquoi il y a eu pourquoi Mars, il y a 4 milliards d'années, a bifurqué dans son histoire, disons, et est devenue comme elle est aujourd'hui. Et bien sûr, c'est normal que des géophysiciens qui étudient la Terre se soucient de ça et aillent voir sur Mars. Et ce qui est le sismomètre qui est déposé sur Mars aujourd'hui, et à mon avis, il ne faut pas voir ça comme une arrivée définitive, c'est le début d'une aventure. L'IPG opère 35 stations sismiques de par le globe, et il y a toujours des disputes terribles sur la structure interne de la Terre. Donc je pense que dans le futur, toutes les stations ou les missions qui iront sur Mars essaieront d'installer des sismomètres un peu partout et d'avoir des stations qui fonctionnent en permanence. On retournera bientôt sur la Lune, sûrement, Jean-Yves Le Gall. Oui, alors en attendant, là, je viens de recevoir le dernier bulletin de santé d'InSight, donc tout va bien. Et ah, magnifique. Tout est vert pour l'entrée dans l'atmosphère. Alors, sur le sujet de la coopération, justement, avec le CNES, on voit bien, on a entendu il y a quelques semaines, on se réjouit tous, évidemment, de la future exploration en coopération avec les Japonais des satellites de Mars, Phobos et Deimos. Donc, les amateurs et les spécialistes de Mars vont, évidemment, attendre cela avec impatience. Ça fait des décennies qu'on rêve d'explorer Phobos et Deimos. Parce que c'est vous qui êtes avec les stylos à négocier, à signer ces accords internationaux. C'est quelque chose que le grand public ne connaît pas vraiment. Mais vous travaillez avec les Anglais, avec les Suisses, avec les Japonais, avec les Indiens. C'est assez spectaculaire quand même. Oui, mais là, dans le cas particulier du Japon, nous avons signé, il y a de cela un peu plus de 2 ans, initiative de Jean-Pierre Bibring qui est là, un accord avec la JAXA pour participer donc à ce projet d'exploration des lunes de Mars. Alors, les lunes de Mars, Phobos et Deimos, c'est comme Mars, parce que c'est manifestement des morceaux de Mars qui ont été éjectés lors d'un choc cosmique, mais il n'y a pas l'atmosphère, donc on peut y aller plus facilement. Et donc, l'idée, c'est de développer un rover qui va aller se promener sur Deimos ou sur Phobos. Alors, j'étais à Toulouse vendredi, on a eu une démonstration, donc on va faire ça en collaboration avec la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et le DLR, l'agence spatiale allemande, un peu sur le modèle de coopération qui a conduit à déposer le robot mascotte sur l'astéroïde Ryugu. Donc on a vu l'atterrissage le 3 octobre pendant l'ISS à Brême. Donc le rover MMX va se balader sur Phobos, mais sur l'image de synthèse, c'est un peu comme on voit dans les bandes dessinées de science-fiction, parce que Phobos est à 6000 km d'altitude de Mars, donc c'est très très proche, et donc vous voyez notre petit rover qui se déplace à la surface de Phobos et avec Mars qui occupe tout le champ de vue. Il n'y a pas si longtemps que ça, à la Cité, une exposition sur Valérian et Laureline, mais on retrouve des images de Valérian et Laureline, mais là, la réalité dépasse la fiction.
Ça va être extraordinaire. Évidemment, rendez-vous pour MMX à la Cité des Sciences. Je sais qu'on va déjà s'arracher les cheveux parce que ça va être incroyable de rouler sur Phobos. C'est quand même spectaculaire de se dire que voilà, la France va fabriquer un engin pour rouler sur Phobos. Je peux me permettre, pour les cheveux, en ce qui nous concerne, il n'y en a plus beaucoup. Ouais, moi non plus. Bon. Alors, Franck, moi, ce qui me fascine chez Soderne, c'est qu'il y a cet esprit en fait, de pionnier. Je disais que ce n'est pas une start-up, c'est une PME. Mais il y a l'esprit start-up qui règne, c'est une atmosphère étonnante parce que les collaborateurs sont super motivés, sont des passionnés de ce qu'ils font. Il y a des valeurs très fortes dans l'entreprise. Moi, je la fréquente depuis quelques mois seulement pour préparer cet événement ce soir. Je ne connaissais pas bien Soderne. Beaucoup de R&D ont l'impression que ça ne fonctionne qu'au challenge, en fait. Il faut sans cesse repousser les limites du savoir-faire. Oui, tout à fait, Gilles. Ce genre de mission Insight, pour nous, c'est revenir à une ère de pionnier et y arriver. Donc un challenge technique, développer des technologies en dehors de l'état de l'âme, c'est notre ADN. D'ailleurs, on vient souvent nous chercher pour cela. Ça nous permet d'acquérir des savoir-faire qui sont déclinés sur des produits plus classiques, mais qui sont tout aussi innovants. Les valeurs de l'entreprise, tu l'as dit, Gilles, dans ce genre de mission exploration, il y a un extraordinaire moteur de passion dans l'entreprise. Et la passion, ça fait énormément de choses au-delà de la technique. Bien sûr, il faut beaucoup de technique, mais la passion est un moteur très, très fort. Et en plus, c'est très communicatif dans l'entreprise et ça irradie toute l'entreprise. L'un des ingénieurs responsables du projet Insight, pour nous, avait hâte que ce soit là-haut. Il est astro-amateur. Et l'astro-amateur, il a une fille et il a hâte que ce soit là-haut et montrer avec son télescope à sa fille la planète Mars et pour dire, tu vois, là-haut, il y a une chose que j'ai contribué à créer, à mettre là-haut. Donc là aussi, il y a un moteur d'émotion aussi qui est très fort dans cette entreprise. Et ça, c'est, comme il dit lui-même, c'est indescriptible. J'ai eu l'occasion, lors d'une réunion entre toutes les équipes projet, donc IPGP, CNES et nous, il y a quelques mois, j'ai fait une conclusion en disant « Vous tous, vous allez tous vous en souvenir jusqu'à la fin de votre vie. Toute votre vie, vous penserez à Insight et au challenge que vous avez réussi à faire. » Est-ce que je peux abuser, Gilles ? Et avec grand plaisir. Parce que Gilles, alors tu me dis où est la caméra ? Alors la caméra, elle est en face de nous là-bas, avec le carré rouge. Dans le hall, il y a 500 Soderniens, familles comprises, qui sont venus avec un t-shirt bleu, avec leur passion. Donc pour moi, c'est d'abord un grand merci à eux, à toutes les équipes, que ce soit sur ce projet, mais aussi pour tous les autres projets. Et mon deuxième message, j'abuse vraiment, nous recrutons toujours, 80 recrutements l'an dernier, pareil alors, cette année. Ils sont un peu donc jeunes, voilà, ils sont là, mais dans quelques années, ils seront là. Ils seront prêts. Voilà, leur professeur de mathématiques et de physique les prépare. Donc, sachez que vous avez sûrement un boulot très intéressant à Soderne. Merci. Merci, merci beaucoup, Franck. C'est très important, évidemment, de passer ces messages-là. Alors moi, je vais abuser aussi, comme c'est moi qui ai le micro, c'est facile. On a un observatoire de Camille Flammarion à Juvisy. La Société astronomique opère cet observatoire. Et donc j'invite les familles de Soderne et celles du CNES et d'IPGP et puis tous ceux qui veulent à venir observer la planète Mars depuis l'observatoire de Camille Flammarion. Nous sommes voisins. Soderne, c'est à côté de Villeneuve-Saint-Georges, sur le plateau. Juvisy, c'est en bas, au pied de la Seine. Il n'y a pas de problème pour observer la planète rouge. Alors, on va terminer avec les grands jalons à venir. J'aimerais faire une remarque Francis. Sur Soderne, vu du côté du CNES. C'est que pour nous, Soderne, c'est une entreprise très particulière. Elle accepte de faire ce que les autres entreprises n'acceptent pas de faire. C'est-à-dire qu'elle est unique dans ce sens. Et voilà, c'est valable pour Pharao, c'est valable pour Insight. Il n'y en a pas deux en France et même en Europe qui pourraient faire ce type d'instrument. Et peut-être même dans le monde, en fait. C'est un challenge. Ouais, bravo, bravo, bravo. Il faut le dire. Voilà, c'est la France qui gagne. Alors, oui, c'est important de le dire. Et donc, revenons quand même au futur proche. On a parlé de retour d'échantillons. Jean-Yves Le Gall, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les enjeux de cette mission incroyable et quel sera le rôle de la France ? Est-ce qu'on va avoir des échantillons martiens en France ? Est-ce que vous allez militer, vous battre pour qu'on ait quelques grammes à Paris ?
La mission retour d'échantillons, donc c'est MSR, Mars Sample Return, et qui sera discutée lors de la conférence ministérielle de l'ESA à la fin de l'année prochaine. Il est clair que ça sera la prochaine étape dans l'étude de Mars, et je suis certain qu'on va y arriver. Alors c'est très compliqué parce que bon, on parle des difficultés de franchir l'atmosphère martienne pour descendre, remporter des échantillons, il faut ensuite remonter puis revenir sur la Terre. Mais là aussi, instruit par ce qu'on fait en coopération internationale pour apporter des échantillons d'autres astres du système solaire, je pense que ça va se faire et je pense que ça fournira des informations encore très importantes pour tous les scientifiques. En tous les cas, il est clair qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Mars avec les scientifiques, ils ont tous cette mission de retour d'échantillons en ligne de mire. Donc ça va commencer avec Mars 2020, ExoMars, où on va faire des études sur place. Et puis ensuite, je pense que dans le courant de la prochaine décennie, on rapportera d'une façon ou d'une autre des échantillons de Mars. Bon, on a hâte aussi de voir ces petits cailloux et cette poussière. On a déjà tous vu un petit peu des échantillons de Apollo ou des lunar rods soviétiques. On a vraiment hâte de voir ça à Paris. Ce serait quand même assez exceptionnel, évidemment, au-delà de la science, simplement pour le symbole. Marc, un sismomètre sur la Lune, on en parle. Tout le monde se souvient des études, je le disais, je ne le nommais pas, mais je faisais allusion à Claude Allègre. Éminent chercheur de l'Institut de physique du globe. Est-ce qu'on a une chance d'avoir un sismomètre français sur la Lune dans les 10 ans qui viennent ? En tout cas, on a des demandes, des incitations très fortes de l'Agence spatiale chinoise, qui est une des agences qui monte en puissance. Évidemment, les sismomètres d'InSight font des envieux et donc pourraient être facilement modifiés pour être très performants sur la Lune. Pour laquelle, en fait, on a des idées qui sont très, en fait, discutées et parcellaires de la structure interne. Alors, il n'y a pas évidemment la question de l'origine de la vie derrière l'étude de la Lune, mais il y a la question de l'origine de la Terre et de l'origine du couple Terre-Lune. Et l'étude de la structure interne de la Lune est quelque chose de très important. Mais pas que la Lune, hein. La sismologie est aussi quelque chose qui doit se développer de manière planétaire. Et il y a aussi des travaux à l'IPG ou en collaboration avec Isae Supaéro pour faire de la sismologie de Vénus à partir de missions en orbite autour de Vénus, parce que des ondes qui se font à la surface se propagent dans l'atmosphère et peuvent être détectées en orbite. Franck, pour terminer, ou même aussi Antoine, sur la partie exploration de Jupiter, on peut compter sur Sodern ? Ah oui, même deux fois. Les lunes de Jupiter être explorées par des instruments fabriqués par Sodern ? Tout à fait. Alors, je vais reprendre ce qu'a dit Jean-Yves tout à l'heure. La France a une renommée mondiale. C'est vrai aussi du côté de l'industrie. On parle bien sûr des grands maîtres d'œuvre que sont Airbus, Thales Alenia Space et Ariane Group. Mais les petites entreprises aussi ont leur renommée et leur rayonnement. Ce qui n'est pas dans la comptabilité de Jean-Yves au travers du CNES ou de l'ESA, ce sont des contrats que nous avons en direct avec d'autres agences, y compris américaines. Donc là, le coup prochain, c'est Jupiter, à la fois avec le JPL, la NASA, pour aller sur la Lune Europa, qui est extrêmement agressive, et puis avec la mission de l'ESA, JUICE. Nous faisons des systèmes de navigation, les caméras qui vont guider l'expérience, qui vont guider la mission. Fantastique. Et c'est très compliqué parce que c'est de l'optique, et de l'optique de l'électronique, et il y a un environnement radioélectrique extrêmement intense autour de Jupiter, qui fait que les instruments et les verres grillent sur place, noircissent, et donc il faut arriver à être un peu blindé, même beaucoup, pour arriver à quand même voir quelque chose fantastique autour de Jupiter. On sera là, on va organiser quelque chose. En plus, voilà. Ça, c'est pour demain, et après-demain, on espère aller sur la Lune, faire du space mining, c'est-à-dire aller regarder sous la Terre, exploiter éventuellement. Nous avons des technologies terrestres, et nous sommes présents dans beaucoup de mines, des vraies mines de fer, matières premières, avec des technologies extrêmement innovantes aussi, qu'on aimerait bien mettre là-haut. Antoine Petit, le mot de la fin sur le CNRS, qui évidemment est impliqué, a cette chance d'être impliqué dans de nombreuses missions françaises ou européennes. Oui, on voit bien dans tout ce qui a été dit que les projets ne manquent pas, qu'il y a encore énormément de découvertes à faire, il y a énormément de collaborations à construire. Et comme ça a déjà été dit, on a probablement une longueur d'avance en France dans ce domaine-là.
Il faut absolument la garder. Et c'est en travaillant tous ensemble qu'on va réussir à continuer à être au top du niveau international. Messieurs, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. On a la chance d'avoir les présidents de ces grands instituts. Merci à vous. Et dans quelques minutes, on se pose sur Mars, Francis. Oui, Jean-Paul Poirier a fait allusion à la mission Europa Clipper, qui est une mission américaine. Franck, pardon. Europa Clipper, qui donc va embarquer des senseurs stellaires de Sauternes. Alors, retourne au JPL avec quelques minutes de retard. Désolé à tous les deux. Frédéric. Effectivement, ici, il y a une impatience qui croît, parce qu'on n'est pas loin de la fameuse descente. Nous avons la chance d'être avec Mélanie Driot, qui est sismologue de formation, mais qui surtout est ingénieure de recherche à l'IPGP et qui travaille donc depuis 4 ans sur InSight. Quel a été effectivement votre rôle dans le développement de la mission ? Alors, mon premier travail, ça a consisté à analyser les données test de l'instrument CEIS avant son départ sur Mars pour voir si tout fonctionnait de façon nominale. Et donc, mon deuxième travail sur cette mission, c'est de développer des algorithmes afin de contraindre la structure interne de Mars à partir des données enregistrées par CEIS. Donc, quand un séisme se produit, on a des ondes sismiques qui vont se propager de part en part à l'intérieur de la planète. Et donc, la vitesse, l'amplitude et la trajectoire de ces ondes va être modifiée selon la nature des matériaux qu'elles traversent et les différentes structures géologiques traversées. Donc, par exemple, quand on passe de la croûte au manteau. Et donc, à partir des données CEIS et de la simulation de la propagation des ondes à l'intérieur de la planète, on va pouvoir en déduire la structure interne de Mars. Donc, évidemment, ce travail, il se fait en collaboration avec plusieurs laboratoires français et des laboratoires internationaux, donc en Allemagne, en Suisse, en Angleterre ou encore aux États-Unis. Mélanie, si vous me permettez la métaphore du stéthoscope, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, effectivement, à travailler avec ces algorithmes alors qu'il y a qu'un seul sismomètre pour travailler, alors que sur Terre, on en a des centaines, des fois des milliers? Oui, vous avez touché du doigt une des parties compliquées pour nous sismologues. Donc sur Terre, on a des milliers de sismomètres avec des milliers et des milliers d'enregistrements qui nous permettent de sonder la structure tridimensionnelle de la planète avec une résolution assez fine. Donc on arrive à voir les panaches mantelliques qui remontent vers la surface ou encore les plaques lithosphériques qui s'enfoncent à l'intérieur du manteau terrestre. Ouais. Sur Mars, évidemment, on n'en est pas là. Ouais. On ne peut pas faire beaucoup de 3D. Donc on va chercher à estimer un modèle moyen unidimensionnel, donc la vitesse des ondes en fonction de la profondeur. Donc c'est un petit peu comme si on se plaçait dans la peau des sismologues du début du XXe siècle qui ont donc contraint la structure 1D de la Terre. Donc, quand on va analyser les données, il va falloir être un petit peu malin, c'est-à-dire déjà nettoyer les données des phénomènes qui peuvent l'ébruiter, donc par exemple décorréler le signal de la pression, de la température ou du champ magnétique, et ensuite essayer d'extraire au maximum toutes les informations véhiculées par les différents types d'ondes. Donc, par exemple, nous, un type d'onde qui va particulièrement nous intéresser, ce sont les ondes de surface. Donc, pourquoi ? Parce que ces ondes, comme leur nom l'indique, se propagent en surface et vont, lorsque le séisme est suffisamment important, faire plusieurs fois le tour de la planète et donc véhiculer des informations sur l'ensemble des milieux traversés. Mélanie, vous, au niveau de votre mission, non seulement vous avez fait du développement, mais à quel moment intervenez-vous maintenant ? Vous avez une sorte de double casquette, presque. Exactement. Alors, mon premier travail, là, dans les jours et les semaines qui viennent, ça va être de prêter main forte à Sébastien de Recours et avec toute l'équipe d'ingénieurs pour analyser les données de CEIS, donc pour voir si ça va être principalement des tests de bonne santé pour voir si l'instrument fonctionne bien. Ouais. Et à partir de janvier, on va rentrer dans une autre phase qui est la phase d'exploitation des données. C'est-à-dire que début janvier, on va placer le WTS sur CEIS, donc c'est l'espèce de dôme qui protège l'instrument des caprices de la météo. Et là, on va être vraiment dans la phase d'exploitation des données, en espérant avoir rapidement, donc au début de l'année, un séisme ou un impact météoritique. Avant de vous laisser partir et courir à la salle de contrôle, votre feeling, votre perception de qu'est-ce qui se passe en vous là ? On sent que tout le monde est très très excité ici et impatient de voir si l'atterrissage a marché. Quant à moi, je suis extrêmement fière de représenter mon laboratoire ici et mon équipe, donc il y a vraiment une super équipe. Et je me considère vraiment très chanceuse de vivre une mission aussi importante en début de carrière.
Vous êtes un exemple d'ailleurs pour beaucoup et pour beaucoup de jeunes. Merci beaucoup, on vous laisse courir à merci votre beaucoup. Salle de travail. Bravo, merci Paris. Merci. Alors Francis. Il est 20h40. Bob Manning était à l'écran, c'est un spécialiste de l'EDL au JPL. Donc on vient de larguer le module de croisière. Et à l'heure où l'on parle, le InSight se réoriente pour être face à l'atmosphère. Et on est à 7 minutes du contact avec l'atmosphère. On est à 7 minutes. Donc là, les choses, la séquence automatique va commencer à s'enclencher. Là, hein. Voilà. On est d'accord. Alors, on est en séquence automatique. On est déjà on en séquence l'atmosphère automatique. Dans, alors, dans on va, Guillaume. Venez, Guillaume. Guillaume Coupchou, qui est enseignant. Désolé pour la photo qui s'est pixelisée. Hein. Voilà, c'est peut-être un virus. Pas martien. Alors, plus sérieusement, on va parler. On a 7 minutes avant le contact avec l'atmosphère. Ah oui, le micro est là-bas, pardon, j'aurais dû le ramener. Parlez-nous du volet éducatif. On en a un petit peu parlé. On a des scolaires ici. Mais en fait, c'est dans toute la France et même dans toute l'Europe que InSight a un volet éducatif absolument fondamental dans les SBT, dans les sciences de la vie et de la Terre. Oui, totalement. Depuis maintenant 20 ans, a été réparti en France métropolitaine, dans les DOM-TOM, aussi à l'étranger, notamment au niveau des lycées français, des sismomètres éducatifs. Ça permet aux élèves d'avoir du concret vis-à-vis de cette sismologie. Et outre cette expertise nationale, on a également une expertise internationale avec des collaborations avec d'autres pays qui possèdent également des sismomètres éducatifs. Et aussi des projets Erasmus. Ça permet aux élèves de toucher le concret, finalement. Ce qui est la sismologie, ça paraît un peu lointain. Bah là, c'est ce concret avec des sismomètres et travail de données. Comme l'ont dit les chercheurs, ça permet aux élèves d'appréhender la structure interne du globe. Ça permet aux élèves de comprendre mieux ce que sont les séismes et, par voie de conséquence, les risques sismiques. Devant leur écran d'ordinateur, de téléphone, je suis sûr qu'il y a des enseignants et des élèves qui regardent ce direct parce que ça va être important pour eux. Ils espèrent évidemment tous que tout va bien se dérouler d'un point de vue spectateur, mais également d'un point de vue de futur acteur. Parce que comme vous l'avez compris, InSight va nous donner des opportunités pour faire du travail pédagogique, créer des activités en maths, en physique, en sciences de la Terre, etc., etc. Et ça nous permet aussi de travailler sur les données, finalement, que les élèves comprennent ce que sont les données, les modèles, comment les modèles évoluent avec les données. Donc ça va être un travail important. En attendant, on a déjà une newsletter qui est diffusée dans 14 pays. On a également un défi inter-établissement qui s'appelle Namazu, qui permet aux élèves de réfléchir sur InSight. Donc, bon, je vais faire court parce que c'est... Non, mais c'est magnifique. Oui. Enfin, si tous les profs avaient été comme ça, je serais à l'adjoint de Francis, quoi. Hein. Vous seriez ici, comme le collège... Exactement. Non, mais c'est fantastique. Camus, voilà. On peut vous applaudir parce que voilà, c'est facile de critiquer tout le temps les profs et tout ça, mais non. Personne critique les profs. Ben voilà, c'est ça. Les salles de classe sont géniales parce qu'on se transporte jusqu'à sur Mars. Oui. De manière concrète, et les élèves vont pouvoir analyser des vraies données scientifiques de géophysique interne. Totalement, et merci aux chercheurs pour allier finalement le rêve à l'apprentissage. Ça va être ça que nos élèves en classe vont vivre. Ok, merci beaucoup. Merci. Bravo encore. C'est fantastique aussi de pouvoir accompagner les jeunes comme ça. Merci beaucoup. Un mot à 3 minutes du contact. Ce contact, c'est dans, je viens de le dire, 3 minutes. Ça veut dire qu'on va être à 700 km du point d'atterrissage et on va aborder l'atmosphère avec un angle d'attaque de 12 degrés. C'est-à-dire que c'est extrêmement rasant. Et vous savez que si cet angle est trop faible, on rebondit. Et si cet angle est trop fort, on crame. Donc l'angle d'attaque, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et on arrive à 20 000 km/h. On va changer un tout petit peu notre programme du coup, puisqu'on n'est plus qu'à 2 minutes maintenant du contact. Donc on va meubler un petit peu avant de revenir à nos présentations, puisque en fait, dans 9 minutes, nous sommes sur Mars. Donc on va vivre ensemble dans 2 minutes. À l'heure où on parle, on est déjà sur Mars. Théoriquement, on est déjà sur Mars, effectivement. Ouais. Bon.
Bravo. Mais on ne le sait pas encore. On ne sait pas encore. Donc on fait comme si on n'y était pas. Voilà. Et on va faire un replay. En fait, voilà. Donc on va vivre ensemble les 7 minutes de terreur qui vont commencer dans moins de 2 minutes avec à gauche la visio directement de NASA TV et du centre de contrôle. Ils vont commencer à perdre leurs cheveux. D'ailleurs, c'est fait pour le monsieur au premier rang. Vous vous souvenez pourquoi les ET, ils étaient en bleu? Alors, normalement, ils ont des cacahuètes. Ils ont, vous savez, ils ont des grands pots de cacahuètes parce qu'ils sont très stressés. C'est la tradition au JPL. À droite, vous allez avoir... Alors voilà, c'est au centre. À gauche, une image de synthèse qui va arriver dans quelques instants. On va la faire démarrer dans une minute maintenant à 47 piles. C'est quelque chose de temps réel. Et puis, à droite, là-bas, vous allez avoir les séquences automatiques qui vont se cocher, qui proviennent directement du centre de contrôle. Si la coche se fait, c'est que c'est bon. Si la coche ne se fait pas, c'est que ce n'est pas forcément bien reçu. Bah, si la coche ne se fait pas, ça veut dire que le signal disant que la coche n'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire forcément que ça n'a pas eu lieu. Voilà, mais c'est ça. Que le signal n'est pas arrivé. Alors là, je vois qu'on est parti. Donc, vous voyez à gauche la vitesse de descente, l'altitude. Donc, on est à peu près une centaine de kilomètres, 125 kilomètres d'altitude. On était à 6 kilomètres, un peu moins de 6 kilomètres seconde, 5,9 par là. À peu près 20 000 kilomètres heure. 20 000 kilomètres heure. Donc là, on a à peu près quoi, 7G de décélération. On va atteindre 7G5. Et une température de 1500 degrés. Et donc, ça va durer 3 minutes. Là, donc 1500 degrés, ça c'est une technologie pas très maîtrisée par beaucoup de pays dans le monde. Il y a combien de pays qui sont capables de fabriquer un revêtement frontal? Alors, les revêtements pour Mars, comme on arrive à 5 km par seconde, c'est plus faible que sur la Terre. Donc finalement, même si mais l'atmosphère n'est pas la même, donc il y a un petit savoir-faire, c'est du CO2. Mais sur Terre, n'importe quel Soyouz qui rentre, c'est 7 km par seconde. Et que si vous revenez de la Lune, c'est plutôt 11 ou 12. Qui est très, très donc complexe. Là, on freine très fort parce qu'on a poussé très, très fort au décollage. Donc, il faut freiner aussi fort à l'arrivée. On dissipe 90%, 99% de l'énergie cinétique en freinant. Donc, la partie hypersonique, on dissipe 99% de l'énergie. C'est-à-dire qu'en vitesse, c'est 80... On passe de 20 000 à 2 000 km/h à peu près. On peut peut-être mettre le son de NASA TV pour entendre ce que disent les contrôleurs. Alors, le son... This will allow us to give some, if this continues working all the way to the ground and beyond, we might even see a first picture from the surface of Mars. Wouldn't that be great? Very soon. Atmospheric entry on my mark. 3, 2, 1, mark. Donc nous, on est un peu en avance sur eux. Hein. Here we go. Oui, toujours. So in a few seconds, the vehicle will start sensing the atmosphere. I said 35, 22 kilometers from the center of Mars. And it's going to start to slow down very, very slowly at first, but then faster and faster and faster till to reaches about 7 Gs. I made that mistake in the video. It's actually 7 Gs, not 12. And so it will still very, very quickly slow down. And from 15... In approximately 1 minute, InSight is expected to reach its maximum heating rate. Oh, yes. Plasma blackout is donc le pic de chaleur, elle va être atteinte dans une minute. Could cause a temporary dropout of telemetry. Donc 1500 degrés. 1500 degrés, oui. Ce qui protège l'intérieur de la sonde, parce qu'évidemment l'intérieur de la sonde est beaucoup plus froid. Absolument. Et ce qui a d'ailleurs posé des problèmes pour un retour l'échantillon cométaire, où on veut être à moins 100 degrés, et cette partie de réentrée est très difficile pour maintenir l'échantillon très froid. Donc là, on freine un peu comme les astronautes dans les Soyouz. Hein. Voilà, 7G, c'est violent hein, pour un astronaute quand même, oui. Mais c'est supportable. Donc blackout, ça veut dire que autour de la sonde, c'est complètement ionisé et les ondes radio ne passent plus. C'est du donc, plasma. On n'a plus de communication pendant quelques minutes. Marco Alpha has carrier interruption. Donc les Marco. InSight should now be experiencing the peak heating rate. Donc les deux Marco, hein, on vous rappelle, eux vont continuer tout droit. Ils loupent la planète. Hein. Survolent la planète, mais ils continuent tout droit et ne se mettent pas en orbite. Et ils sont en visibilité pendant 20 minutes, les Marco. C'est-à-dire après l'atterrissage également. Ils escortent en fait un peu InSight. Tout à fait. Bruce Banner était à l'écran, là, oui.
Alors, je ne vois pas là-bas si les croix sont cochées. Vous voyez, ça se coche. Ah bon, c'est bon, alors. Ouf. Trois croix sont cochées, me dit-on. Quatre. Tout augmente. C'est bon, ça. Insight has passed through peak deceleration. Telemetry shows the spacecraft saw about 8 G's. Marco Alpha and Marco Bravo. 8 G. Radio science reports carrier detected. 8 G. Several different communications coming in. Insight is now traveling at a velocity of 2,000 meters per second. Donc le déploiement du parachute va intervenir dans quelques instants, à peu près à 1495 km/h. À peu près. À peu près. Ça fait 415 mètres secondes. Il faut qu'il tienne. Hein. Alors en quoi il est fait ce parachute, Francis? Kevlar. De matériaux extrêmement résistants, surtout au moment de l'ouverture. On a peur qu'il éclate. Donc, et on est parachute hypersonique, c'est une technologie très que tout le monde ne maîtrise pas dans le monde. Donc parachute qui fait 12 mètres de diamètre. C'est ça, 12 mètres de diamètre. C'est énorme. Celui d'ExoMars, je crois, fait 30 mètres. Il est gigantesque. Et là, on est 11 mètres. D'ailleurs, l'idée, c'est que MRO va faire une image de cette face-face parachute, puisqu'on a besoin de savoir s'il y a un problème. Si justement ce parachute s'est bien ouvert et si on le voit sur l'image. Alors et ça on l'aura demain, l'image. Incroyable, les Américains ont, ont un satellite qui s'appelle MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, et c'est pas la première fois, il passe et latéralement, il prend une photo de la descente sous parachute. À haute résolution, si bien qu'on voit les filins du parachute. On voit le parachute même. Et voilà, ça c'est fait. Parachute s'est coché. Nous sommes à peu près à 12, entre 10 et 12 km d'altitude. Donc il va y avoir maintenant le largage du bouclier thermique, qui n'a plus besoin d'être, il a fait son travail. Et du coup, on le verra impacter la surface un peu plus loin, il va faire un petit cratère d'impact. Absolument. Il va continuer tout droit, lui. Donc le parachute est déployé. Donc on doit être à peu près à 9 km. Vitesse 400 km/h. We have radar activation where the radar is beginning to search for the ground. Once the radar locks on the ground and Insight is about 1 kilometer above the surface, the lander will separate from the back shell and begin terminal descent using its 12 descent engines. Donc il y a l'activation radar, le déploiement des trois pieds. Ça y est, on a largué et on acquiert le radar en phase propulsive. Oui. Donc le radar, normalement, s'est déclenché pour détecter la surface de Mars. Et là, c'est allé très vite. Là, oui. Tout d'un coup, on a eu le largage. Ça va très, très vite. Donc on devrait 7 minutes, très, très vite. Encore 4 minutes et on est sur Mars, à peu près. Yes. Donc le radar fonctionne bien, bonne nouvelle. Donc normalement on va larguer maintenant 600 mètres. 400 mètres. 300 mètres. On doit être donc là sous la face des rétrofusées maintenant. Hein. 200 mètres. Attention au contact. 80 mètres. 60 mètres. 60. 50 meters, constant velocity. 37 meters. 30 meters. 20 meters. 17 meters, standing by for touchdown. Contact. Allez. Allez, allez, contact. Touchdown confirmed. On est sur Mars. Voilà, tu l'as ton sismo. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens. This never gets old. No. Allez, allez, allez. Control room just erupted. Allez, Philippe.
On a eu Jean-Pierre Le Breton sur Titan, on a Philippe Le Nionnet sur Mars. Et Jean-Pierre est là, d'ailleurs. Bon, d'abord, merci. Alors, donc, merci à tous. Donc, excusez-moi, je vais d'abord commencer par merci à ma famille. Merci à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à mes parents et à tout mon cercle familial. Voilà, bon, maintenant, merci à tous les membres de l'équipe, tous ceux qui ont bavé. Merci à toutes leurs familles aussi, parce qu'elles en ont bavé aussi. C'est pas que moi qui ai impacté, on va dire, le cercle familial, mais je pense que tous les membres de l'équipe ont eu des moments de tension, de remise en question. Et puis enfin, je veux pas être très long, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Le CNES, Francis, au début, Fabienne Cazoli, tous les présidents successifs, Jean-Yves Le Gall, le CNRS qui, au début, a mis des postes, alors qu'on leur prétendait atteindre Mars dans un avenir proche. Ça fait peut-être 20 ans qu'on leur a raconté ça. Et puis à chaque fois, souvent, en fait, on a eu des postes d'ingénieurs qui ont été mis en place. Je voudrais dire qu'on a une chance extraordinaire en France, c'est d'avoir ce système de la recherche publique où on a une part d'activité utile à court terme. Je suis enseignant-chercheur, donc souvent, dans des semaines difficiles, les étudiants me montraient que je servais à quelque chose. Donc, et puis à côté de ça, on peut construire quelque chose sur la durée. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de rentabilité à court terme. On peut investir pour arriver à convaincre la NASA, le CNES, et enfin, quand tout ça est fait, on a tout un tissu industriel extraordinaire en France, Soderne, mais aussi toutes les PME. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des parties aussi de cet instrument qui ont été faites par des toutes petites entreprises. Par exemple, le ressort est fait par une petite entreprise familiale. Donc c'est tout un tissu industriel avec des grandes entreprises, des moyennes entreprises, mais aussi quelquefois des toutes petites entreprises qui ont pu faire tout cela. Alors dans toute cette... j'ai sûrement dû oublier quelques organismes, je le regrette, mais en tout cas, c'est merci à tout ce tissu industriel, tout ce tissu de recherche, et puis merci aussi, enfin, aux contribuables, parce que ça nous tenait aussi à cœur d'avoir une sorte de retour vers ceux qui rendent tout ça possible. C'est pour ça qu'on a essayé avec Sismo à l'école de mettre en place ce projet. Je suis très très heureux et finalement, c'était aussi une grande inquiétude peut-être de ma part de dire qu'est-ce qu'on allait dire à nos enfants dans les collèges, dans les lycées, si tout ça foirait. Je ne sais pas si tout ça va marcher, on n'a encore pas les éléments, mais je suis très heureux qu'on ait ces écoles, ces collèges, où on va avoir dès la rentrée prochaine, 2019, les données qui vont arriver tous les jours, non seulement en France, dans les lycées français et collèges français à l'étranger, mais aussi dans beaucoup de lycées et collèges internationaux aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Et voilà. Ah oui, on a et première image. Donc, wouhou ! Merci. Bravo. Cet homme a un sismomètre sur Mars et il est français. Les deux sont français d'ailleurs. Maintenant, il a du boulot, oui. Et on voit. Et les Américains nous donnent une image incroyable encore, une nouvelle planète. C'est la caméra qui est située juste sous le deck, ce qu'on appelle le deck de. Et donc, elle a dû prendre beaucoup de particules, voilà. Apparemment, puisqu'il y a des. Et surtout, une chose, c'est qu'on n'a pas un gros caillou devant nous. Ça, c'était vraiment la chose qu'on redoutait aussi. On n'a pas Big Joe, oui. On n'a pas un Big Joe comme un Viking. On doit être sur un terrain où on pourra sûrement déployer tout ça. Merci encore à tout alors, le monde. Alors, merci, bravo. Jean-Yves. Une réaction à chaud comme ça, tant d'émotions. Écoutez, je crois que beaucoup a été dit, mais
Bravo à tous ceux qui ont posé InSight sur Mars. Je connais bien les gens de JPL, je sais la quantité d'efforts que cela représente. Bravo à notre coopération, Madame l'Ambassadeur. Merci d'être ici ce soir. Et bravo au partenariat d'exception que nous avons avec les scientifiques, avec l'industrie et avec les États-Unis. Merci. Bravo. Bravo, Jean-Yves Régal. Madame l'Ambassadeur, bonsoir. Merci. Bonsoir. Je dois vous dire, tout le monde, merci. C'est un exemple de notre partenariat qui est incroyable et notre amitié. Les deux pays sont incroyablement liés. Comme tout le monde, j'adore la France maintenant. C'est un autre exemple, pourquoi? Mais je m'en souviens, moi, l'atterrissage à la Lune. Alors pour ça, maintenant, c'est vraiment... Pardon. Incroyable. Je suis très fière de notre amitié et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne peux rien dire parce que c'est incroyable. Merci. Merci, madame. Johann Werner, directeur général de l'Agence spatiale européenne. Merci. Bonsoir. Pour votre présence. Oui. Une réaction parce que c'est... Félicitations à les États-Unis et encore à la France. C'est formidable. Félicitations. Merci beaucoup pour votre réaction. Nous avons le représentant de la NASA à Paris. Évidemment, bravo, félicitations. C'est la 8e sonde qui se pose sur la surface de Mars. Oui, bravo. Merci pour la coopération. Prochaine fois. In English, if you want. Until next time. Thank you. All right. Thank you very much. Thank you. Congratulations. I mean, just NASA is able to do that. C'est la huitième fois que l'agence spatiale américaine réussit un exploit de la sorte. C'est quand même pas fréquent. Oui, et il n'y a que les Américains qui ont réussi. Et il n'y a que pour l'instant les Américains qui ont réussi. Mon général, un mot, on est dans le spatial. Oui, merci. C'est avec beaucoup de joie, de fierté et d'émotion que je représente ici le ministère des Armées et la ministre, Madame Florence Parly. Vous savez que c'est un sujet qui intéresse beaucoup le président de la République, l'espace et la ministre des Armées, la Défense en général. Donc on est très fiers d'être là ce soir pour cette mission scientifique. Et moi, je retiens trois mots de cette soirée. C'est l'excellence, la passion et l'esprit d'équipe. Et véritablement, félicitations à tous ceux qui ont ouvert ce grand succès. Merci, mon général. Comment interarmer pour l'espace. Alors, évidemment, je me réserve aussi quelques experts, quelques avis d'experts. Je suis sûr que Jean-Pierre Le Breton, Jean-Pierre, tu as tremblé. Tu t'es posé sur Titan il y a quelques années, ici même. Une réaction à chaud. Bravo, Philippe. Non, vraiment, j'ai ressenti, bon, j'ai vécu un événement similaire il y a maintenant 2005, donc il y a quand même 13 ans. Quelques années. Hein. Mais c'était beaucoup plus lent. Là, en 7 minutes, tout s'est bien passé. Bravo. Et donc maintenant, je ne peux que te féliciter toute l'équipe, tous ceux qui ont participé à cet exploit. Mais maintenant, le vrai travail pour ton équipe scientifique va commencer, donc bonne chance. Et bonne chance, bien sûr, pour la mise à poste du SISMO dans quelques semaines. Bravo à tous. L'aventure continue. L'aventure continue. Jean-Pierre Bibring, spécialiste de l'exploration du système solaire à travers un instrument qu'on ne présente plus, incroyable Oméga. Une réaction à chaud comme ça? Oui, mais c'était le niveau de l'émotion qu'on a aujourd'hui est au niveau de ce que l'exploration spatiale peut nous offrir et offre en retour une vision incroyablement renouvelée de ce qu'est la Terre dans l'univers. Je veux dire que la spécificité de la France avec le CNES comme agence qui est capable de soutenir et de susciter des projets comme ça est tout à fait unique. Il n'y a pas d'exemple comme ça au monde et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc bravo à cette exploration spatiale. Merci, bravo. Annie Chantal. Annie Chantal, la spécialiste des comètes, vous vous êtes aussi posée sur une comète. Voilà. Et ce n'était pas 7 minutes d'angoisse, mais 7 heures d'angoisse. Voilà. Tellement cet objet est peu attirant au sens de la gravité, mais passionnant au sens de la science. Bravo. Bravo, bravo. On a la communauté Planéto
française avec nous, Olivier de Goursac. Olivier, toi aussi qui connais Viking, Pathfinder, on a vécu ensemble Pathfinder, Spirit, Opportunity. Oui, oui. On a vécu ensemble Mars Polar Lander quand même. Les Américains parfois échouent aussi, ça arrive. Une réaction à chaud, toi qui es spécialiste. Ça t'inspire quoi cette image de la surface de Mars ? Ben, je trouve ça incroyable, et d'autant plus que ce n'est que mon... Ouais, c'est pareil, c'est mon sixième atterrissage, je pense. Mais par contre, j'aurais voulu en profiter pour peut-être, si tu m'autorises, remercier quelqu'un particulièrement. Parce que finalement, avec le recul, toutes ces années, je voulais remercier chaleureusement Francis Rocard. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il a, depuis qu'il est rentré au CNES, il s'est attelé à bâtir une vraie coopération internationale avec le secours de sa hiérarchie, avec les budgets de l'État, avec bien sûr le soutien de tout le monde, mais on lui doit énormément. Et je crois que si aujourd'hui, vraiment, on a une telle participation française, c'est grâce à Francis. Et moi, je voudrais que tout le monde se lève. Bravo, bravo. On peut l'applaudir. C'est vrai qu'on peut applaudir Francis. Vraiment. Et alors bon. Je crois que c'est beaucoup trop d'honneur. Le CNES est une grande maison et beaucoup de décisions ont été prises. Fabienne Cazoli, ici présente, qui était ma chef, on a beaucoup travaillé ensemble sur Insight. Et c'est un travail qui est parfois difficile et on a besoin de gens très compétents pour prendre des décisions pas faciles. Et mais effectivement, ça fait un moment que je m'attelle à cette exploration et je veux dire qu'elle est passionnante et c'est ces moments d'émotion qui me donnent envie de continuer moi aussi. D'autant plus que travailler avec le JPL, j'en sais quelque chose, c'est pas facile. Donc c'est d'autant plus remarquable et vraiment un grand merci. Merci. Merci, merci Olivier. Alors, nous avons un sismomètre sur Mars, mais nous avons aussi un cadran solaire. Et tout à l'heure, le président d'Univers Science, Bruno Macquart, nous a dit que Denis Savoie a travaillé longtemps ici même à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte. Mais il a omis une chose, c'est que Denis Savoie a été très longtemps le président de la commission des cadrans solaires de la Société Astronomique de France. Donc c'est aussi la Société Astronomique de France qui est un petit peu sur Mars. Écoute, on a un sismomètre français, on a un cadran solaire français. Donc un petit mot à réaction à chaud. Alors un petit mot, c'est grâce à Philippe. Donc Philippe me dit, ben, pour orienter le sismomètre sur Mars, pour pouvoir interpréter les ondes sismiques, il faut connaître son orientation. Or, on l'a dit, il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. Donc la seule solution pour connaître l'orientation du sismomètre, c'est d'utiliser un gnomon qui se trouve à la surface du sismomètre. Et donc, avec l'ombre du gnomon, on a une journée pour déterminer la direction du nord géographique martien. Donc ça tu pars au JPL bientôt pour aider les équipes. Le 16 décembre. Fantastique. Voilà. Bravo, 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 bravo. Alors, je voudrais faire un petit commentaire sur ce qui se passe sur Mars. Donc, à l'heure où nous parlons, InSight est en train de déployer ses panneaux solaires. Et vous savez qu'InSight peut tenir 2 jours sur batterie. Donc, cette phase est extrêmement critique. C'est pour ça que NASA TV va garder le signal jusqu'à confirmation du déploiement. Donc, et ça devrait se terminer vers 21h25, c'est-à-dire dans un petit quart d'heure. Pour la confirmation, j'entends. Alors Olivier, qui est un spécialiste de l'imagerie, me rappelle qu'on a une deuxième image attendue. En fait, la première qu'on a vue, elle est couverte par une protection qui protège en fait l'objectif des poussières. C'est pour ça que c'était un peu flou et qu'il y avait plein de petits points noirs. Donc normalement, dans quelques minutes, le cache objectif va se rétracter et on devrait pouvoir voir la suite. C'est quand même fantastique. Juste pour vous dire que le cadran solaire, il ne va pas fonctionner très longtemps, puisqu'une fois qu'on aura mis la coiffe par-dessus, évidemment, il sera caché. Voilà, on a aussi un cadran solaire français sur la planète rouge, et c'est quand même fantastique. Philippe. Ouais. Je veux dire un rapide mot. Donc, Mark Banning, qui est un co-investigateur américain, vient de nous dire qu'il y a un petit caillou hein, dans un coin, mais il y a beaucoup de place pour déployer. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Et je voudrais aussi demander aux représentants de la NASA et puis Madame l'ambassadeur de vraiment transmettre à l'équipe américaine toute notre satisfaction et puis notre plaisir et honneur de travailler avec eux. Bravo. Alors on va poursuivre, hein, c'est pas terminé, on attend les autres images.
Je voudrais quand même saluer les gens qui sont dans le grand hall aussi et qui nous suivent patiemment à côté, en même temps que la twittosphère et Internet. Je ne sais pas encore s'il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent en direct, mais je pense que c'est probablement le cas, car c'était ici qu'il fallait être ce soir, évidemment. Alors, on va poursuivre quand même, parce qu'on n'a pas terminé l'ensemble des présentations. Et peut-être qu'on peut rebasculer sur la présentation suivante, en fait, et parler un petit peu de futur. En attendant la première image, on guette sur les latéraux la première image, la deuxième image martienne. Et vous pouvez applaudir Violaine Sauter, qui est directrice de recherche au CNRS. Bonsoir. Et Violaine, vous allez nous expliquer donc, l'importance de l'étape d'après, qui est quand même une étape fantastique. On l'a déjà un petit peu parlé, mais voilà, retour d'échantillon de la planète rouge. Bon, ben, c'est pas simple hein, de parler après une émotion pareille, surtout qu'on a tous envie de boire un coup. Donc, je vais essayer d'être brève et vous relater donc les prochaines missions qui consistent à ramener des échantillons de la planète rouge. Alors, comme vous le rappelez, Cathy Quentin, 47 ans d'exploration spatiale, c'est au moins une vingtaine de missions martiennes réussies. On peut rajouter celle de ce soir, mission qui se décline en deux types d'instruments. Donc vous avez vu les sondes en orbite autour de la planète Mars et les atterrisseurs, comme celui qui est arrivé aujourd'hui. Alors, je qualifierais de match aller toutes ces missions. Et ces matchs aller a fait en sorte que l'homme a amené plus de 9 tonnes de matériaux terrestres à la surface de Mars. Ce qui est absolument quand même considérable. Par contre, pour ce qui est du retour, il faut bien savoir que l'homme n'est encore pas capable de ramener ne serait-ce qu'un milligramme d'échantillons de sol martien. Alors pourquoi? Pour des raisons tout à fait techniques. Mars est une grosse planète, hein, donc il y a beaucoup de gravité. Et pour pouvoir s'en échapper, il faut partir à plus de 5 km seconde. Alors si on n'est pas encore tout à fait au point pour faire ça, eh ben, y a des méga-impacts qui, eux, arrache à la surface de la planète Mars des météorites, et ces météorites, par chance, arrivent jusqu'à nous et nous permettent, en attendant, de toucher du doigt le sol martien. Mais j'aime autant vous dire que ces météorites sont extrêmement rares. Mais l'analyse conjuguée de ces météorites et des résultats des missions spatiales de toutes ces dernières années nous ont permis, comme on l'a vu, de montrer d'une part que de l'eau liquide circulait à la surface de Mars il y a plus de 3,7 milliards d'années, qu'en analysant cette eau, ce qu'a pu faire le rover Curiosity, on a vu que la planète, du coup, était une planète habitable, mais habitable ne veut pas dire habitée. Et donc, l'étape suivante est de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a eu de l'émergence de la vie sur Mars il y a fort longtemps, il y a plus de 3,7 milliards d'années, au moment où la vie apparaissait sur Terre? Alors, pour répondre à cette question, il n'y a qu'une solution, c'est ramener des échantillons de la planète rouge. Alors, l'avantage des missions robotiques, c'est qu'on peut sélectionner le site d'atterrissage où le robot va se poser. Alors, vous l'avez vu sur ce planisphère, les 8 missions maintenant qui se sont déposées sur la planète Mars, en tout cas 7 d'entre elles, ont toutes atterri au niveau de l'équateur martien. Cet équateur, il a comme caractéristique d'être truffé de terrains extrêmement anciens, de plus de 3,7 milliards d'années, et souvent très riche en argile. L'inconvénient, cependant, des missions spatiales, vous l'avez bien compris, c'est qu'on est obligé de miniaturiser tous les instruments à bord des robots. Et de fait, on réduit notre capacité d'analyse, même si on fait de grandes choses, et la précision des résultats obtenus. Alors, tel n'est pas le cas pour les météorites. Mais les météorites, le problème, c'est qu'on ne sait pas géographiquement d'où elles viennent, où elles ont été échantillonnées sur la planète rouge. Par contre, une fois qu'elles arrivent sur Terre, on va les ausculter, on va les analyser sous toutes les coutures, avec tous nos instruments. Ici, vous avez des instruments style spectromètre de masse qui occupent une pièce entière dans nos labos. Et sur le robot Curiosity, SAM, c'est une boîte à chaussures. Donc vous voyez bien que les performances ne peuvent pas être les mêmes.
Cependant, le problème des météorites martiennes, c'est qu'elles correspondent à un biais d'échantillonnage. Parce que vous imaginez bien que pour arracher une météorite de la surface de Mars, comme je vous l'ai dit, il faut un méga-impact. Et ce méga-impact, il va pulvériser toutes les roches tendres. Donc il va privilégier l'échantillonnage des roches dures que sont les roches volcaniques. Et dans les roches volcaniques, il n'y a pas beaucoup de chances de trouver des traces de vie. Alors, à contrario, le robot Curiosité que vous voyez ici, lui, il peut forer, analyser des argiles, donc des roches meubles, sédimentaires, riches en eau et pièges à matière organique potentielle. Et c'est ce que Curiosity a fait. Il a réussi à analyser dans un de ses forages des composés organiques. Mais ce sont des composés extrêmement dégradés. Pourquoi ? Parce que la chromatographie en phase gazeuse qui se trouve à l'intérieur du robot et qui analyse ces argiles, c'est de la chimie à chaud. Donc elle va dégrader tous les produits analysés. D'où la nécessité de changer d'instrument aux prochaines missions. Et donc le robot MSL 2020 va avoir à son bord d'autres instruments qui sont des spectromètres Raman. À l'IMPMC donc, et à l'IRAP, on est en train de concevoir une partie donc, de ce spectromètre qui va être en haut du mât de, MSL 2020. Donc c'est l'instrument SuperCam et vous avez aussi au bout du bras un autre Raman, l'instrument Sherlock. Alors ces instruments vont nous permettre de faire une analyse à froid des échantillons. Mais bien entendu, la précision que l'on va avoir n'est pas du tout à la mesure de ce qu'on peut attendre si on veut avancer dans l'identification de molécules prébiotiques, si molécules prébiotiques il y a. Mais l'intérêt supplémentaire de ce nouveau robot MSL 2020, c'est qu'il va permettre, en cas d'identification de roches intéressantes, de pouvoir les encapsuler dans des petits tubes, donc des petits tubes qui vont être scellés et qui vont être laissés derrière le robot. Donc tel le petit pousset, donc MSL 2020 va laisser derrière lui, dans ces petits tubes scellés, des échantillons qui un jour seront ramassés par un robot collecteur, rassemblé dans un conteneur pour, à terme, être ramené sur Terre. Donc, en résumé, hein, depuis 20 ans, on a eu des missions au sol, des missions dans l'espace. Les premiers objectifs, c'était chercher l'eau. L'eau, on l'a trouvée dans les argiles. Après, ça a été l'habitabilité. On a démontré, grâce à Curiosité, donc, que ces terrains étaient habitables, puisque ces argiles que l'on a analysées nous ont permis de les définir en composition et de montrer que la planète avait été habitable. Maintenant, avec InSight, on va arriver à sonder l'intérieur de la planète Mars et savoir peut-être pourquoi la planète, à un moment donné, n'est plus habitable, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et donc, les prochaines missions, ExoMars et MSL 2020, vraiment leur objectif essentiel va être de chercher la vie. Et comme je le disais, pour pouvoir répondre à cette question cruciale, il faut ramener des échantillons. Et ce programme de retour des échantillons martiens, je ne vous cache pas qu'on l'a en tête et on a essayé de le finaliser depuis plus de 20 ans. Alors pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Alors c'est une mission extrêmement délicate parce que pour ramener ne serait-ce que 500 mg d'échantillons martiens à la surface de la Terre, ce que conçoivent en ce moment l'ESA et la NASA, c'est une mission en 3 temps, donc ce n'est pas simple, 3 lancements. C'est quand même un investissement pour 500 mg. Il va falloir vraiment qu'on démontre en amont que ces 500 mg contiennent des traces de vie, des traces, pardon, de molécules susceptibles d'être des indicateurs de vie primitive sur la planète Mars. C'est pas simple. Donc, première étape dont je vous parlais, c'est donc l'atterrissage de MSL 2020 et ExoMars. MSL 2020 en particulier, donc, il va laisser ses échantillons derrière lui. Deuxième étape, atterrissage d'un autre, donc ce qui implique autre lancement, donc atterrissage composite, puisqu'il va y avoir un robot sur ce véhicule, un robot et une fusée plus sa plateforme de lancement. Donc ce petit robot, son unique objectif sera d'aller collecter le petit conteneur. Vous voyez ça dans l'image du bas. Après, ce petit conteneur sera placé dans la fusée qu'on aura déployée avec sa rampe de lancement. Et enfin,
ce qui est fou, c'est un troisième lancement pour envoyer un satellite autour de la planète Mars, satellite qui sera chargé de récupérer ce petit conteneur que la fusée aura placé en orbite autour de Mars. Donc tout ça est quand même, pour 500 mg d'échantillons, extrêmement complexe, vous l'imaginez. Mais en attendant ce retour d'échantillons martiens, ben nous, on attend tous vraiment avec impatience les données de la sonde InSight qui va nous apporter tout un tas d'informations que l'on attend depuis toujours, la structure interne de la planète Mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé, on va... Un point, allez. Violaine. Une précision, ce n'est pas 500 mg, c'est 500 grammes. 500 grammes. On ne fait pas tout ça pour 500 mg. Non, non, mais pardon. D'accord, oui. C'est 500 grammes. 500 grammes. C'est à peu près. C'est, hein, voilà. C'est beaucoup, 500 grammes. Et si, 500 on pouvait grammes, avoir, c'est si on pouvait avoir une partie petit. Intéressante... Là... J'ai vraiment très soif. Hein. Bien. Alors, on part une dernière fois avec Frédéric Cassel en direct du JPL. Frédéric, l'explosion de joie ici. Hein. Deux invités de marque. Alors, Charlotte, vous êtes... ingénieur CNES, passionné de Mars, et enfin vous avez appris que cette mission était sélectionnée quand vous étiez déjà en train de travailler sur Curiosity au JPL. Mais dites-nous maintenant le sentiment là quand même, vous avez vécu des minutes intenses. Ouais, on est super, vraiment super soulagé, très content. On est ravis là, c'était l'explosion de joie là, dans les salles de contrôle, dans les salles avec les différentes équipes scientifiques du CNES, tous nos collègues. Vraiment soulagé et super content quoi. D'accord. Alors, dites-nous, quel va être tout de suite votre rôle ? Parce que c'est vous allez entrer en scène, là, en quelque sorte. On entre en scène. En fait, aujourd'hui, on n'allume pas notre instrument SAIS. On n'allume pas notre instrument. Il est rallumé dans deux jours, à partir d'après-demain. On fait une première vérification des données de bonne santé. Et demain, on envoie les premières. Donc demain, vraiment, c'est à notre tour de rentrer en scène. On envoie les premiers instruments mercredi ou dans la nuit de mercredi à jeudi en France. Alors, dans vos urgences de travail, bien sûr, vous avez déjà préparé et fait beaucoup de simulations, il y a un problème de température. Et oui, parce qu'en fait, on sera posé à terme sur le sol martien avec un bouclier thermique par-dessus nous. Pour l'instant, on n'est pas encore déployé. Ça va prendre une quinzaine de jours à trois semaines pour être déployé sur le sol martien. Donc, on a besoin de réchauffer notre instrument pendant la nuit. Et pour faire ça, on a besoin que ça soit fait le plus rapidement possible. Donc, on espère dès jeudi pouvoir commencer à réchauffer l'instrument pendant la nuit. Parce que la nuit, c'est terrible, parce que là, on est à peu près environ du moins 5 degrés Celsius, mm-hmm. mais on est en plein jour, dans les meilleurs... Voilà. Moins 50 degrés. On a une certaine fragilité là-dessus, qu'on a anticipé, et donc c'est pour ça qu'on a besoin de réchauffer le plus rapidement possible. Mais avant de faire ça, il faut s'assurer que tous les sous-systèmes sont en bonne santé. Donc là, c'est la course contre la montre dès demain pour démarrer ça. Et alors là, vous avez plusieurs semaines de travail... avant de changer de casquette. Dites-nous d'abord la première phase de vos responsabilités. Alors, moi, ma première phase, c'était de préparer ces opérations. Donc, oui. Depuis que la mission a été sélectionnée, là, on l'a appris pendant l'atterrissage de MSL, donc il y a en 2012. Donc, mon boulot, c'était de préparer les opérations, savoir ce qu'on va y faire là, pendant toute cette phase de déploiement avec notre instrument, et ensuite préparer la phase de routine qui va démarrer d'ici 3 mois. Et donc, dans 3 mois, on rebascule sur une autre phase de la mission. Et vous changez un peu de ça, vos tâches et vos responsabilités voilà, changent. Moi, je change de casquette, entre guillemets. Je passe de responsable de la préparation des opérations à chef de projet en exploitation. On fait une transition entre l'équipe de développement qui a développé tout l'instrument et tout le hardware, on va dire, sur une phase d'exploitation. On revient à Toulouse. On change complètement, on a presque deux missions en une en fait. On change de schéma opérationnel, on change d'interlocuteur, on change tout d'ici 3 mois. Et donc il y a un calendrier précis avec toutes ces opérations. Précis, oui. Et après, à partir de quel moment vous pouvez basculer sur Toulouse ? C'est extraordinaire. Dites-nous un mot, comment ça va se passer aussi une fois ce basculement sur Toulouse ? On espère basculer, alors au mieux ça sera vers la mi-février, fin février. Ça dépend, on attendait un peu de voir la première image, voir si le terrain est favorable ou pas. J'ai vu beaucoup de poussière. Bon, en même temps, il y a un bouclier, hein, il y a une couverture sur la caméra, donc ce n'est pas forcément inquiétant. J'ai vu rapidement, ça a l'air plutôt favorable. On espère pouvoir tout faire dans les temps et pouvoir revenir à Toulouse pour opérer l'instrument SAIS depuis Toulouse fin février, on espère. Et donnez-moi un tout petit peu aussi la température au sein de l'équipe quand même,
des Français et des Européens. Ah ouais, ouais, c'était chaud, c'était vraiment, vraiment super. Quoi. Explosion de, au moment de l'atterrissage, vous voulez dire, explosion de joie, on voit les soulagements de tout le monde. Pour certains, ça fait 6 ans, 7 ans, il y en a même, ça fait une quinzaine d'années qu'ils travaillent sur de la R&T, sur cette mission-là. Oui. C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, même pour nous, pour l'équipe opération, ça fait 7 ans qu'on prépare, qu'on prépare ça. Une mine tout aujourd'hui, mais il faut se reconcentrer parce que dès demain, on rentre dans le vif du sujet. Au boulot. Demain, au boulot. Ouais. Aujourd'hui, c'est la fête, demain, c'est boulot. Très bien. Bonne chance au chef de projet des opérations, donc. Bon travail, je vous laisse retourner en salle. J'y vais. Travail. Bravo. Merci. Nous allons avoir, nous avons la chance d'avoir Christophe Sautin avec nous. Vous êtes directeur scientifique des programmes d'exploration du système solaire au JPL, donc vous êtes 100% NASA depuis 2012. Vous êtes l'un des rares Français, donc permanent ici. Comment la mission InSight est complémentaire par rapport aux autres grandes missions américaines martiennes ? Dans le cadre du programme d'exploration de Mars, c'est surtout l'atmosphère, la surface qui a été explorée. Là, avec InSight, on va regarder l'intérieur de Mars, on va essayer de comprendre comment Mars a évolué. C'est tout à fait complémentaire de ce qui se passe avec le programme d'exploration de Mars. Donc InSight est pour nous très important. Dans notre département, évidemment, tout le monde est excité par cette mission de déposer à la surface de Mars des instruments européens, français, anglais, allemands. Enfin, c'est vraiment super. On avait envie que ça réussisse, hein, évidemment. Enfin, et moi, évidemment, en particulier, étant français, je regardais avec beaucoup d'émotion l'atterrissage. Et alors, pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu comment c'est une mission Discovery, comment la NASA orchestre effectivement cet aspect mission Discovery et les grandes missions comme Curiosity et Mars 2020? Les missions Discovery, c'est un petit peu les petites missions du programme, oui. Du programme NASA. Enfin, ce sont des missions que tout le monde peut proposer, n'importe quelle. Vers n'importe quelle destination, ça peut être la Lune, ça peut être Mercure, ça peut être les astéroïdes, les comètes, ça peut être Mars. C'est difficile d'aller sur Mars avec une petite mission, et en fait, ça n'a été possible que parce qu'il y avait une coopération internationale et que les Européens ont été capables de pouvoir ajouter au lander NASA. Parce que les budgets montent très vite et il y a une limite sur ce type de mission. Voilà, c'est à peu près 500 millions de dollars, hein, et simplement atterrir sur Mars, envoyer un lander sur Mars, vous utilisez tout cet argent, vous avez plus assez de ressources pour pouvoir avoir des instruments scientifiques. Un mot, après là, on est à la 12e donc, mission dans le programme Discovery, l'étape c'est... Oui, alors c'est assez, faut dire que c'est assez remarquable quand même du côté NASA, parce que vous avez 12 missions enfin, en l'espace d'une vingtaine d'années, ça veut dire que vous avez à peu près une mission Discovery tous les 2 ans. Enfin, quand on voit les autres agences nationales, c'est quand même super de travailler ici et d'avoir ces sentiments, cette excitation enfin, qui arrive quand même fréquemment. Enfin, et ces challenges. Et ces challenges, oui, ouais. Effectivement. Enfin, au niveau du programme Discovery, je compte rappeler quand même que la première mission Discovery, la première ou la deuxième, c'était Pathfinder. Donc c'était la démonstration qu'on pouvait rouler à la surface de Mars et on a vu ce que ça donnait après. Ce que je pense, c'est que si jamais on détecte des séismes à la surface de Mars, si on voit la tectonique de Mars, ça peut relancer le programme d'exploration de Mars encore plus, de façon plus importante que ce qui n'est actuellement. Et j'imagine toujours avec la dimension internationale à laquelle la NASA tient. Toujours à dimension internationale. Quand on parle des retours d'échantillons, c'est avec l'ESA que ça se fera. Enfin, ou si l'ESA ne participe pas, enfin, je pense que ça ne pourra pas se faire. Merci infiniment. Bravo. De rien. Enfin, merci de m'avoir accueilli et bravo à toute l'équipe en France. Bravo. Merci. Bravo. Bravo Frédéric. Bravo Christophe. Frédéric, merci infiniment pour cette superbe... exercice de style d'interviewer les experts français et américains depuis le JPL. À très bientôt, bonne fin de soirée. On va rendre l'antenne pour ce qui est de la liaison avec le JPL. À très bientôt, bon retour. Bravo, Frédéric. Et voilà, nous sommes à l'heure. Il me reste plus qu'à vous remercier. Bravo et merci aux équipes du Centre national d'études spatiales, du CNRS, de l'IPGP, de Soderne, qui nous transmettent leur passion. Merci à Claire Dramas, Rémi Lambertin, Philippe Labro, Philippe Laudet.
Merci aux twittos et aux internautes. Merci à Olivier de Goursac, à Alain Salez, à Patrick Barado. Bravo au collège Albert Camus et alors à Arel. Bravo à Bénédicte Leclerc et à Sabine Hugues et à toute l'équipe de la Cité des Sciences. Merci à la régie. Et merci François, toi. Laurent, merci Jérôme, toi, Franck, Omar. Merci à VR2 Planet, au JPL et à la NASA. Et à très bientôt. Ce soir, ah, j'ai pas fini. Ce soir, je pense à Albert Ducrot, à Audouin Dollfus et à Alain Souchier qui nous manque beaucoup.